Voilà, c'est bon, le micro est bon, tout est bon. Et normalement, il va prendre ici, c'est le cas. Allez, parfait. Il y en a qui regardent les vidéos a posteriori? Non? La chaîne s'appelle École d'ingénieurs LA. Je peux l'écrire sur le tableau si jamais. Je vais juste vérifier si c'est bien ça. École d'ingénieurs LA. Je vais voir si je dis pas. Celui-là, vous l'avez ou pas? Ouais. Voilà, école d'ingénieurs, et là c'est HELHA. Comme ça pouvait être bavé de maths. Et alors vous avez du coup les vidéos de la semaine dernière aussi. On dit pas exactement la même chose, hein, ça dépend toujours des questions, etc. Donc, mais c'est le même carnet, c'est les mêmes exercices. Ouais. Ok, je vais remettre le son, je pense. C'est bon. C'est parti. Alors, on m'a demandé le E de la page 24 pour commencer. Petite correction. Je vais le faire sans trop m'arrêter et puis on regardera ensemble ce qui pose peut-être difficulté. Alors, pour le E, il y a deux mises au même dénominateur pour commencer. Donc, il y a une barre de fraction principale. Ici, on met au même dénominateur, on a W fois 3W plus 1. Qui sera le dénominateur commun au-dessus. Du coup, le 3 va être multiplié par 3W plus 1. Comme ceci. Et le 6, enfin le moins 6, va être multiplié par W. En dessous, vous avez le même principe, sauf que c'est W fois 2W plus 1. W fois 2W plus 1. Et puis vous allez avoir 5 fois 2W plus 1. Et 8 fois W avec un plus. Voilà, première étape. Est-ce que je vais quand même m'arrêter finalement? Donc est-ce que ceci ça va? Oui. Vous avez juste mis le même dénominateur. Voilà, j'ai fait une mise au même dénominateur du numérateur principal et du dénominateur principal. On va dire ça comme ça. Alors une fois que vous êtes là. Est-ce qu'on voit déjà des simplifications? Moi j'en vois, est-ce que vous les voyez aussi? Enfin j'en vois une très clairement. Oui, Alexandre? C'est Théo, je ne sais plus. Ah mais non, ça. Alors, on peut distribuer, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Alexandre, oui? Le numérateur du numérateur, donc c'est tout au-dessus, quoi. Le 3 et le 6, on va avoir 9W moins 6W. Ok, alors, moi, ce que je vois tout de suite, en fait, c'est qu'on a ici du W et du W. Ces deux-là, en fait, peuvent être simplifiés chacun. Mais si vous ne voyez pas tout de suite, c'est pas grave. Je vais avancer, comme vous l'avez proposé, d'abord distribuer tout ce qu'on a ici à chaque numérateur. Et puis aussi, quand on a une fraction de fraction, c'était la petite règle que j'avais donnée, A sur B divisé par C sur D, vous faites le produit croisé. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc dans un premier temps, on va distribuer. Voilà. Alors si on distribue celui-là, vous allez avoir 9 fois W moins 6W, ça fait 3W, et vous allez avoir plus 3. Donc ceci, en réalité, c'est 3. W plus 3.
Et si on distribue cette partie ici, vous allez avoir 10 plus 8, donc 18W plus 5. OK. Ensuite, ce que vous pouvez écrire, c'est... Vous avez ce numérateur-là, qui va être divisé par ça, mais ce qui divise son diviseur, finalement, va être multiplié par ce qu'il y a au-dessus. Autrement dit, en fait, je vais vous encadrer ici les deux qui vont se retrouver au-dessus et les deux qui vont se retrouver en dessous. Donc, au-dessus, vous allez avoir celui-là et celui-là. Et en dessous, vous allez avoir celui-ci et celui-ci. Donc, au-dessus, je reprends ce que j'ai identifié, vous allez avoir 3W plus 3, fois celui-là, donc fois W, fois 2W plus 1. En dessous, si on reprend tout ce qu'il y a comme diviseur, vous avez W fois 3W plus 1, et vous avez l'autre qui est 18W plus 5. Voilà, là c'est peut-être plus facile à voir, hein, ce que j'avais déjà mis en pointillé, on le retrouve ici et ici. Donc on peut clairement simplifier ces deux-là. Et j'ai l'impression que, après avoir fait ça, il n'y a plus de facteur commun. Hein, on avait 3W plus 3, 3W plus 1, donc on ne sait rien faire, et il manque une parenthèse ici. Voilà. Donc s'il n'y a plus de facteur commun, il n'y a plus de simplification. Bien sûr, vous pouvez distribuer, hein, ça, c'est pas... mais ça ne va pas spécialement simplifier votre expression ici. Okay. C'était une demande de Madeleine, c'est bien ça, ou de Déborah? Déborah, pardon. Okay. Est-ce que ça va ceci? T'avais... Oui. Ça correspond, alors. Bon, je n'ai pas fait les conditions d'existence, hein, donc... Ça, je suppose que ça va. OK. On s'est plus simplifié. Non. Alors, on peut distribuer si tu veux. Hein. Tu peux dire que c'est 6 fois W carré plus, etc. Mais ça ne va pas aider. En fait, si vous distribuez, vous allez faire apparaître clairement les polynômes de second degré qui sont au-dessus et en dessous. Mais comme il n'y a pas de racine commune, il n'y a pas de simplification. Hein, ici, quelles sont les racines du numérateur? Ben, W égale moins 1, W égale moins 1 demi. Donc moins 1 et moins 1 demi sont les zéros, les racines du numérateur. Et au dénominateur, vous allez avoir moins 1 tiers et moins 5 dix-huitièmes. Moins 1 tiers et moins 5 dix-huitièmes sont les zéros ou les racines du dénominateur. Ça porte aussi un autre nom. Ce sont les pôles de la fraction rationnelle. Ça, vous verrez plus tard au cours. Donc, les pôles, ce sont les racines du polynôme qui divise. En fait, ce sont des points particuliers, parce qu'en ces points-là, d'abord, la fonction n'existe pas, mais a des asymptotes verticales en général. Donc, ça file vers plus ou moins l'infini. Donc, c'est un comportement particulier, hein, qui montre une instabilité ou une grande amplification, etc. Donc, c'est intéressant de faire des liens avec le contexte. Lorsqu'on a de telles valeurs. Alors, c'était le E. On m'a dit, et ça je passerai alors, les prénoms. C'est comment ton prénom? Alec. Ah oui, tu étais là-bas avant. Ouais, je suis très lié à l'espace, donc c'est bien, tu as avancé. Donc, Alec, toi, tu voulais avoir une indication pour. Tu voulais avoir la réponse du G et tu étais bloqué au F. Au H. Au H. Et ça, je dis que je passerai près de toi. Ça va? OK, alors le 2, le A avait été fait. Le B, je vais bien mettre la réponse finale pour le 2B. Donc le 2B, en fait, vous deviez multiplier par racine de x fois racine de x plus h. Ce qui fait qu'en dessous, vous allez avoir... Ça, c'est le résultat au dénominateur. Et au numérateur, eh bien, vous allez avoir racine de x fois racine de x, donc x fois racine de x plus h. Et vous allez avoir moins x plus h fois racine de x. Ça, c'est le résultat.
J'avais écrit l'étape juste avant, il suffisait de distribuer, et voilà ce qu'on obtient. Pardon? Alors, ici, l'objectif était de retirer les racines carrées. Hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas de simplification. Ceci, d'ailleurs, n'est pas une simplification de ce qu'il y a dans le 2B. C'est simplement une réécriture qui évite d'avoir des radicaux au dénominateur. Alors, le C, il fallait multiplier par le conjugué. Donc, vous aviez 3 fois racine de x moins 2 fois racine de y, et il fallait multiplier par 3 fois racine de x plus 2 fois racine de y au-dessus et en dessous. Voilà. Vous aviez 81x carré. Non, non, ça c'est l'étape intermédiaire que j'avais suggéré oralement, mais que je n'avais pas écrite. Donc, on reconnaît l'énoncé de départ. J'ai multiplié par au-dessus et en dessous 3 racines de x plus 2 racines de y, parce qu'en faisant ça, on applique en fait la formule a moins b fois a plus b, ce qui permet, je vais l'écrire ici en dessous, d'avoir au dénominateur le carré de ceci moins le carré de l'autre. Donc, 9x moins 4 fois y. Okay. Au-dessus, ça c'est quand même intéressant, je vais quand même garder la longueur. Ceci, on peut aussi le factoriser, c'est justement 9x moins 4y fois 9x plus 4y, et puis il reste ce petit morceau-là, 3 fois racine de x plus 2 fois racine de y. Alors là, on peut encore simplifier. Et voilà la réponse finale. 9x plus 4y fois 3 fois racine de x plus 2 fois racine de y. Alexandre. Bon, voilà ce que vous avez fait directement à la première étape pour passer de l'énoncé à ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par 1 en réalité. Hein. Donc tout ça est égal à 1. Donc je ne modifie pas l'expression. Donc je peux le faire parce que je ne modifie pas l'expression. Maintenant, pourquoi je le fais? Je le fais parce qu'en multipliant le dénominateur par une forme conjuguée, c'est-à-dire c'est aussi, ça concerne deux termes, mais juste changer le signe, c'est la possibilité d'appliquer le a plus b fois a moins b, qui donne différence de 2 carrés. Et on veut du carré parce qu'en élevant en carré, on sait que la racine carrée va disparaître. Donc c'est le principe. Vous avez dû voir ça avec M. Coulot avec les limites. C'est une des techniques lorsqu'on a des limites avec des racines carrées qui apparaissent. Oui? Ok. Bien. Est-ce que dans cette liste-là, donc j'avais dit... Oui, donc c'est bon, c'est le 2, ça termine à page 24. Je propose... de basculer vers la page 25. Alors, page 25, il y a quelques petits éléments de rappel. On vous demande d'arriver au format scientifique. Alors, le format scientifique, c'est vrai pour le A et le B seulement. Pour les autres, ça n'a pas tellement de sens. Mais on veut surtout simplifier. Donc, le format scientifique, pour rappel, le format scientifique, c'est arriver avec un chiffre avant la virgule, et puis vous rajoutez les décimales, puis fois 10 exposant quelque chose. Et donc, l'idée, c'est que, par exemple, 0,000032, ou 32 millions, plutôt que de s'étreiner des tas de zéros qui rendent le nombre assez illisible et qui, en fait, aussi... empêche de voir rapidement l'ordre de grandeur, hein, est-ce que ce sont des millimètres, kilomètres ou des micromètres et ainsi de suite. On va donc passer dans les deux cas à 3,2 fois 10 exposants. Alors dans le premier cas, je vous laisse un peu réfléchir sur l'exposant que je dois mettre, et dans le deuxième cas également, qu'est-ce que je dois mettre comme exposant? Oui, Alec. Le deuxième cas, c'est...
Oui, 7, c'est souvent plus facile dans ce sens-là. 7, puisque à partir de là, vous voyez qu'on a élevé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Pour l'autre, oui, Alexandre ? Moins 7. Moins 7, moins 6. Donc, si jamais c'était exposé en 0, ce serait là. Puis moins 1, moins 2, moins 3. Alors, qu'est-ce que je disais ? Donc, 3,2. Donc là, ce serait exposé en 0, avec le 3 qui est ici. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 6 ici. Donc, ça c'est pour le petit rappel sur base de deux exemples. Et je vais faire le 3A et puis on va regarder si vous êtes à l'aise pour faire le 3B par vous-même. Donc le 3A, on a... Moi le premier réflexe que je vous conseille, c'est tous les nombres qui sont entre parenthèses, de les écrire sous forme scientifique, ça va vous aider. Donc 0,02... Pas besoin de lever la main, dites-moi directement comment j'écris ça. Voilà, 2 fois 10 moins 2, et le tout devra être monté à la puissance 3, fois combien? Même principe. 2 fois 10 exposant moins 3. Exactement. Alors, c'est pas... C'est moins 2 ici. Voilà. En dessous, qu'est-ce que j'écris? Voilà. Qui peut se lire aussi 3 millièmes. Hein. 3 fois 10 exposant moins 3, 3 millièmes. Et enfin, 2 fois combien? Oui, exposant 2. 2 fois 10 exposant 2. OK, 2 centaines. Ça va pour ceci. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a quelques propriétés avec les exposants. Si on élève un exposant, on peut faire le produit. Par exemple, 10 exposant moins 2, le tout exposant 3, ça va être 10 exposant moins 6. Donc moins 2 fois 3. Donc ça, c'est une première règle. Je vais aussi les rappeler d'ailleurs. Petit rappel. Si vous avez ici une base qui est A exposant P, le tout exposant Q, c'est A exposant P fois Q. Ça, c'est une première chose qu'on peut appliquer. On va le faire. Si vous appliquez cette règle-là, 2 exposant 3, c'est 8. Fois 10 exposant moins 2 fois 3, ça fait 10 exposant moins 6. 2 exposant moins 2, ah, alors 2 exposant moins 2, ça fait quoi ça, 2 exposant moins 2 ? 2 exposant moins 2, ça vaut quoi? Alors, il y a eu la bonne réponse qui est tombée, mais je vais vous le mettre ici. Alors, quand on a A exposant moins N, c'est la même chose que 1 sur A exposant N. Donc le moins peut être compris comme le fait qu'on va prendre la puissance de l'inverse. Un quart. Un quart, oui. Ouais, c'était bien ça. Donc 2 exposant moins 2, c'est 1 demi exposant 2. Hein, c'est la règle que j'ai mis ici. 1 demi au carré, 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc vous avez ici 1 quart. Fois 10 exposant moins 3 fois moins 2, donc fois 10 exposant 6. 3 exposant 2, c'est 3 au carré, c'est 9. Fois 10 exposant moins 6, encore une fois. Fois 2 exposant moins 2, on le connaît, c'est 1 quart. Et ici, fois 10 exposant moins 4. Okay. Alors bon, il y a plusieurs moyens de simplifier, mais le 1 quart, il est évident. Donc ça, je vais simplement le retirer en dessous au-dessus. Pour les exposants, comment ça se rassemble? Oui, Alexandre, vas-y. Voilà, alors ce qu'on pourrait faire, tout comme il y a un quart en dessous et au-dessus, en fait, quand vous avez un facteur commun au-dessus et en dessous, il peut se simplifier. C'est ce qu'on a fait ici. On avait un facteur commun qui était W et W. On a un facteur commun qui est un quart et un quart. Et on a un facteur commun qui est 10 moins 6. Et 10 moins 6. Donc je pourrais les barrer.
Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'aimerais montrer différemment la règle pour arriver au même résultat. Attention qu'une faute classique, c'est ne pas, c'est supprimer, je le vois parfois dans des copies, des termes communs. Genre, ce que je vois parfois, je l'écris, elle ne le fait pas. Imaginez ici que vous avez plus 3 et plus 3. On dit, ah ben, il y a plus 3 des deux côtés, je simplifie. Non, c'est vrai uniquement pour des facteurs communs, pas pour des plus. Et d'ailleurs, j'avais encore vu hier, on faisait plus la même chose au-dessus et en dessous et on disait que c'était égal. Non, c'est seulement vrai pour le fois. Quand on fait fois la même chose, alors en proportion, on a la même chose. Bien, donc on pourrait le faire, hein, mais moi je vais poser la question dans un autre ordre. Qu'est-ce qui se passe si je multiplie celui-là avec celui-ci? Alors, ça fait 10 exposant 0, donc ça fait 1. Donc la règle qu'il y a derrière ça, c'est lorsqu'on fait le produit, à condition que la base soit la même, donc A puissance P fois la même base A puissance Q, vous pouvez simplement additionner. Donc si vous additionnez, vous allez avoir 10 exposant moins 6 plus 6, 10 exposant 0. Et on sait que quand on élève à une puissance nulle, ça vaut 1. Okay. Donc, on a bien 1, et ça se simplifie, puisque si on multiplie par 1, ça reste la même chose. Donc tout ceci vaut 1. Okay. Voilà, même chose en dessous. Suivant ce que j'ai dit ici, 10 exposant moins 6 plus moins 4, donc moins 10, vous allez avoir ici 10 exposant moins 10. Alors, si je réécris ce qu'on a réussi à faire ici, on est presque au bout de notre peine. On a 8 neuvième fois 1 divisé par 10 exposant moins 10. Ce n'est pas tout à fait une notation scientifique qu'on a au-dessus. Donc on va encore un petit peu travailler ça. Tout d'abord, ceci. 1 divisé par 10 exposant moins 10. Bon, Alexandre, vas-y. 10 exposant 10. 10 exposant 10, hein, c'est la règle que vous avez ici. Si vous remplacez n par moins 10, ça devient moins moins 10, et donc vous avez 10 exposant 10. Okay. Sinon, il y a une autre règle qui est lié à cette question-là, c'est que si vous avez A exposant P divisé par A, donc on est avec la même base exposant Q, c'est A exposant P moins Q. C'est assez semblable à ce qu'il y a au-dessus. Quand c'est le produit, c'est une somme. Quand c'est le quotient, c'est une différence. Bon. Donc ici, quelque part, on a 10 exposant 0, c'est le 1, divisé par 10 exposant moins 10. Donc ça va être 0 moins moins 10, donc ça va être 10 exposant 10. Donc ceci n'est rien d'autre que 10 exposant 10. Alors 8 neuvième, c'est 0,88888. Donc 8 neuvième ici, c'est 0, que des 8. Vous pouvez retenir, hein, quand c'est un chiffre divisé par 9, c'est le chiffre qui se répète à l'infini après la virgule. Donc 7 neuvième, c'est 0, que des 7. 6 neuvième, c'est 0, avec que des 6, mais c'est aussi 2 tiers, ça revient même, etc. Donc 8 neuvième, c'est 0, avec que des 8. Alors comme on veut un 8 avant la virgule, mais vous pouvez écrire ceci, 8,8888, 3 petits points, fois 10 exposant. Alors, normalement, c'était 0,8 fois 10 exposant 10. Comme j'ai mis ici le 8 après la virgule, ce sera fois 10 exposant combien? 9, puisqu'on a déjà multiplié par 10. Donc fois 10 exposant 9. Ok. Voilà, c'est pour respecter la convention qu'on veut une notation scientifique avec le chiffre significatif juste avant la virgule. Il y a d'autres conventions qui disent qu'on veut le chiffre significatif juste après la virgule. On veut du 0, et puis on veut le chiffre. Hein, donc ça dépend de la convention qu'on peut demander, mais la convention standard, c'est plutôt celle-là. Alors si, avec ces règles-là, c'est bien compris, je vais donner 4. Voilà, j'ai aussi rappelé que A exposant 0 égale 1. Alors A ici, c'est à chaque fois la base. Dans l'exercice, ça vaut à chaque fois 10.
Hein, on travaille en base 10. Et on va supposer que dans tout ce que j'ai dit ici, A est une base strictement positive. Parce que si A égale 0, évidemment, il peut y avoir des problèmes. Et A étant négatif, ça n'a pas tellement d'intérêt. Bien, je vous laisse faire le 3B, je vais passer près de ceux qui auraient des questions. Moi j'ai mis ça comme réponse finale, mais je ne l'ai pas noté. Je viens de me rendre compte, mais c'est pas ça. Mais je comprends pas. Ça, c'est pas bon. Mais... Oui. Ah oui, tu voudrais avoir la réponse finale. Attends. Elle est encore au tableau, c'est ça. Elle est où? Ah, pardon. Toi, tu as obtenu ça comme réponse. Oui, oui, mais j'ai oublié de noter la réponse finale et je voulais vous demander comment vous avez fait pour. L'obtenir. Oui, pour l'obtenir. Parce que quand on multiplie ceci, en fait. Oui, ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça qui perturbe. Donc, j'ai multiplié par ça et ça, oui. Parce que les dénominateurs, ils donnent bien ça, mais pour les numérateurs... C'est le numérateur qui pose problème. Alors, en fait, tu l'as distribué. Donc, le racine de x, tu as multiplié tout ça avec le racine de x, moins ça fois tout ça. Donc, racine de x fois tout ça, ben, tu vas avoir racine de x fois racine de x. Ça, ça donne le x que j'ai donné au tableau. Mm-hmm. Et puis, il reste une racine de x plus 1. Et puis ensuite, moins... Racine de x plus h fois racine de x plus h, ça fait x plus h fois racine de x. Donc, si ça t'aide, tu peux mettre des parenthèses, mais comme il y a la barre de fraction, ce n'est pas nécessaire. Donc, tu dois distribuer en fait, ces deux facteurs sur la racine de x et là-dessus, et quand tu as deux fois la racine de la même chose, la racine peut s'en aller. Ça va? Ça va. Allez, tu veux qu'on regarde maintenant ou plus tard? Ah oui, oui, oui. Comme tu veux. C'était Robin? Moi, Julien. Julien, Robin. Je sais que ça va être toute ma vie. Pas de questions? Pour le moment. Non. Ah oui, ok. Après, je me suis dit qu'il allait faire des delta pour faire avec le x, sauf qu'on a qu'une racine. Oui, c'est une racine double. Ouais, t'as du trouvé. Coup, j'ai fait comme ça. Ouais, correct. Mais ensuite, là, je vais les mettre en évidence. Mais vu qu'il y a un plus 1, je ne peux pas. Tu veux mettre en évidence? Mais non, tu ne peux pas. Comme ça, on aurait fait delta aussi. Ouais. Mais en fait, donc, si, je ne sais pas si tu te souviens, mais hier, on avait dit que s'il y avait la même racine en dessous et au-dessus, on peut simplifier, sinon on ne sait rien faire. Donc, tu as déjà compris qu'au dénominateur, il y a une seule racine, elle est double, mais il n'y en a qu'une, c'est quand x vaut 1,5. Donc, la question à se poser, c'est que, est-ce que le numérateur s'annule quand x vaut 1,5? Ok, là, je ne rends pas juste x par 1,5, j'aurais trouvé quoi. Voilà, et donc là, je pense que c'est le cas, parce que tu as 2 fois 1 huitième, ça fait 1 quart, moins 1 quart, ça fait 0. Et puis, tu as moins 2 fois 1,5, donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Ouais. Et donc, tu sais que tu peux factoriser ton numérateur. X moins 1,5 aussi. Voilà. Donc, il faut faire une division euclidienne ou une autre méthode, hein, si tu veux faire Horner, si tu veux, pour diviser le numérateur par x moins 1,5. C'est un peu comme on fait. Ça va, mais ça, je le referai. Il y a un exemple, la page 23.
par x, c'est x moins 1 demi, oui. C'est parce que ça s'annule en 1 demi, donc tu sais qu'il y a x moins 1 demi qui divise le polynôme. Alors, 2 plus 3. Ah, il est aussi divisible par x moins 1, pourquoi pas. Du coup, tu as trouvé 2x carré plus x moins 1. Pardon, oui. Donc ça marche aussi. Hein. Donc, en fait, tu as vu qu'en 1, il s'annulait, donc tu as compris qu'on pouvait diviser par x moins 1. Et puis, tu dois encore factoriser celui-là, mais ça, c'est plus simple parce que c'est du second degré. Ouais, et donc tu as dû finalement arriver à... Voilà, c'est ça. Et bien ton 2x moins 1 s'annule avec en dessous, d'ailleurs tu l'as vu. Donc c'est bon aussi. Ça fait emprunter un autre chemin. Si on fait par x moins 1 demi, on arrive directement à ça. Non, tu arrives aussi à un polynôme de second degré comme tu as eu là. Et ce bon, voilà, il faut faire ce que tu as fait. Donc tu as juste été dans un autre ordre en fait. Dès que tu trouves une racine, tu descends d'un degré le polynôme. Et donc... peu importe, mais tu changes l'ordre pour trouver les racines, mais au final, tu as la même réponse. On verra, je ferai peut-être... Ah oui, le principe ici... Là, c'est mal écrit, hein, parce qu'on fait moins le diviseur, mm-hmm. Et ça nous donne une réponse, sauf que là, c'est écrit 5x, 105. Le prendre. Donc, si tu multiplies par 5x cube, tu as bien 5x5, et puis plus 5x cube, non, c'est bon. Et puis on soustrait pour voir ce qu'il reste à faire. Et si tu veux, je ferai soit celui-là, soit un autre pour rappeler la division euclidienne. J'en ferai un. En tout cas, ici, il n'y a pas d'erreur, c'est bien comme ça qu'il faut. Oui. Ceux qui auraient fini le petit b, n'hésitez pas à continuer la liste. Hein. Ça va, n'attendez pas. Ah ben on va le faire maintenant. Hein. Regardez. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question plus personnelle ? Ne me demandez pas juste c'est bon, c'est pas bon, on le fait de toute façon au tableau. Mais toutes les bases communes, tu peux additionner les exposants. Donc, par exemple, tu as B et B. Voilà, ça va faire B exposant 1. Et alors, tu peux aussi simplifier du haut vers le bas. Mais alors, tu soustrais. Donc, si tu as A cube au-dessus, par exemple, et A carré en dessous, c'est A exposant 3 moins 2. Donc, en gros, ici, ce que je peux faire, c'est rassembler ces deux-là. Oui. Après, ici, ça, je peux le distribuer là. Ça, tu peux distribuer l'exposant, oui. Donc, je peux distribuer l'exposant en chaque, et après, je pourrais simplifier. Tu regardes tout ce qui est la même base, donc tout ce qui est du A, tout ce qui est du B, tout ce qui est du C. Okay. Et puis, soit c'est une addition si c'est à la même hauteur, soit c'est une soustraction si tu regardes du haut vers le bas. Donc, ici, par exemple, déjà ça et ça, je peux pareil. Et alors, c carré, tu peux simplifier, là. Oui. Ça, c'est vrai. Okay. Ici, on peut déjà supprimer les deux. Les deux C carrés. Le 2 C carré et ouais. Le 2B carré. Je peux le supprimer directement. Donc le B. Non, tu ne veux pas supprimer le B avec le C. Non, mais ah, le 2, vraiment, les deux. Juste oui, les oui. Deux. Bien sûr. Deux. Oui, bien sûr, tu peux simplifier. Voilà. Okay. Le
Le petit b. On a du 1, alors ça se devient 1 fois 10 moins 4, donc 10 moins 4. Le tout exposant 3. On a du 10 exposant 3. Le tout exposant moins 2. On a du 2 fois 10 moins 4. Le tout exposant moins 2. Et on a du 10 exposant 2, le tout exposant moins 3. Okay. Ça, c'est la première étape. Le reste devrait suivre avec les règles qu'on a énoncées. Bon, alors, est-ce qu'il y a... Bon, il y en a deux, peut-être que vous ne le voyez pas directement, mais bon, 10 exposant 3 exposant moins 2, c'est 10 exposant moins 6. Oui. Exactement. Donc vous avez du 10 exposant moins 6 au-dessus et en dessous. Donc ces deux-là, c'est la même chose. Ils se divisent l'un l'autre, ils donnent lieu à 1, l'unité, donc fois 1. Ensuite, vous avez du 10, il reste du 10 exposant moins 4 fois 3, donc moins 12. Et vous avez du 2 exposant moins 2, on l'a vu, c'était 1 quart. Fois 10 exposant 8. Si on divise par 1 quart, on multiplie par 4. Et vous avez 10 exposant moins 12, moins 8, puisqu'on divise, donc c'est moins l'exposant qui est en dessous, ce qui veut dire que c'est 4 fois 10 exposant moins 20. Okay. Est-ce qu'il y a une remarque là-dessus ? Le moins 8, en fait, ici, si tu veux, le moins 12 et le 8, c'est comme cette règle-ci. Donc, on a A égale à 10, et quand tu as un quotient avec la même base, P au-dessus, Q en dessous, tu prends le P et tu fais moins Q. Donc, dans ce cas-ci, c'est moins 12, moins 8, donc moins 20. OK ? Ça va ? Allez, je propose... Parce que plusieurs d'entre vous ont déjà initié le C, peut-être même fini. C'est, bon, on ne va plus parler de notation scientifique, mais là, on a des paramètres partout, et donc on peut simplifier uniquement des paramètres qui sont les mêmes, enfin, il faut la même base. Donc, si on met tout ensemble, donc il y a du A exposant moins 2, on va aller dans l'ordre, hein. Puis il y a du B exposant moins 3, dans l'ordre de l'alphabet, je veux dire. Et puis un peu plus loin, vous avez du B exposant moins 2. Je rassemble déjà les mêmes bases. Et puis un peu plus loin, vous avez du C au carré. Et puis il y a un facteur 2. Voilà, bon, je vais le mettre tout devant. En général, les coefficients, on les met tout devant. Donc c'est une manière de faire, c'est de classer les choses. En dessous, vous avez du A exposant moins 1 exposant moins 2. Donc ça fait du A exposant 2, puisqu'on multiplie moins 1 par moins 2. Donc on a du A exposant 2 ici. Puis en A, plus loin, vous avez du A moins 2 fois 2, donc du A moins 4. A moins 4. Voilà. Et puis vous avez du B moins 2 et du B moins 2. B moins 2, B moins 2. Et puis vous avez du C carré. Et ce qu'il y a du coefficient, il y a également un 2. Voilà. Bon, vous n'êtes pas... Pardon ? Le 2, il n'est pas compris que le C. Le 2 n'est pas au carré, c'est ça la question. Sinon, on aurait dû mettre une parenthèse pour inclure le carré. Voilà, donc une fois que c'est rangé, ça devient beaucoup plus clair. Moi, les deux simplifient. Les C aussi. Les C carré aussi. Le B moins 2 qui est là peut simplifier avec celui-là. Le A moins 2, alors ce n'est pas directement, donc maintenant on va simplement rassembler les choses. Alors vous avez du A moins 2, moins 2, ah oui mais ici c'est moins 2 aussi. Ces deux là, ça vous donne du A exposant moins 2, autrement dit on peut simplifier ceci
avec celui-là, c'est-à-dire avec tout ça. Okay. Il reste du B-3 et du B-2. Donc si on applique la règle, on a B-3 moins moins 2, ce qui donne B exposant moins 1. Ou 1 sur B, vous choisissez. C'est bon pour tout le monde? Non, une petite plainte d'Alec sur... En tout cas, tu n'as pas la même chose. Mais tu te demandes où tu as fait différemment, c'est ça? Mais si déjà tu avais le 2 au carré, bon, là tu as... C'est... Souvent, voilà, c'est des erreurs relativement simples qui sont faites... Il y a beaucoup. Hein. Pour la petite histoire, en général, quand on relit sa copie après un test, après une évaluation, il y a beaucoup d'erreurs de distraction et rien à faire. On est un peu mis sous pression pendant l'évaluation, il y a un temps imparti. J'avais lu une étude, il parle de un tiers, plus ou moins, d'erreurs de distraction. Il y a beaucoup. Hein. OK. Ouais. En moyenne, d'autres, ça dépend comment on se prépare. Pour le D, c'est pareil, je ne vais pas le faire. Et le E, le F, bon, ça va pas. Bon, je peux vite faire un des deux, mais c'est pas très compliqué. C'est toujours le même principe, mais l'objectif du E, c'est de factoriser en nombre premier. Donc, par exemple, 27. 27, en fait, c'est 3 au cube. Donc, le nombre premier à la base de 27, c'est 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Donc, 27 exposant 4, en fait, c'est 3 au cube exposant 4. 6, les deux nombres premiers qu'il y a derrière, c'est le 2 et le 3. C'est 2 fois 3. Donc, 2. Donc, du coup, ça va être 2 exposant 3 fois 3 exposant 3. Le 15, c'est 3 fois 5. Donc 3 exposant 6 fois 5 exposant 6. Alors ça c'est systématique, mais ce n'est pas forcément le plus rapide. Hein. Certains ont peut-être dit oui, mais il y a moyen d'aller un peu plus vite parce que moi je vois que... Bon, mais si vous ramenez au nombre premier, alors vous avez toutes les bases qui vont s'afficher et vous allez pouvoir comparer les bases communes. Alors on continue en bas, vous avez donc 81, c'est 9 fois 9, donc c'est 3 exposant 4. Le tout exposant 3. Vous avez pas mis Oui. Ça va s'annuler, oui, tout à fait. Alors 90 exposant 4, 90 c'est 9 fois 10, donc c'est 3 fois 3 fois 2 fois 5, ou dans l'ordre, 2 fois 3 fois 5, non, c'est pas ça que j'ai dit, fois 3 encore, donc, oui, donc c'est 3 au carré ici. Voilà, et le tout exposant 4. Donc ça c'est exposant 4, ça c'est exposant 4, voilà. Bon, ça porte, peut-être que vous avez déjà entendu le nom, le théorème chinois dit que tout nombre entier peut être décomposé en le produit de nombres premiers. Bon, c'est ce qu'on fait ici, on décompose en le produit de nombres premiers. Donc si vous faites ça, là on voit très clairement 3 exposant 12, 3 exposant 12. Tout ce qui concerne les deux, donc on a 2 exposant 3, 2 exposant 4, il reste juste le 2 qui est en dessous. Vous avez du 3 exposant 9 au-dessus, du 3 exposant 8 en dessous. Donc, en fait, tout va partir sauf juste 1, 3. 3 exposant 9, 3 exposant 8, il reste juste le 3 au numérateur. Et enfin, il reste 5 au carré au-dessus. Donc, de nouveau, je raisonne tout comme on l'a fait avec ABC, mais ici avec 2, 3, 5. Je regarde les mêmes bases et je simplifie, je soustrais, j'additionne à chaque fois les exposants. Et on arrive à 25 fois 3, 75 demi. Ouais. 75 demi. Voilà. Voilà pour le petit 3. L'idée de cette petite section, c'est toujours la même, c'est de se rappeler que quand on a des puissances, ça peut se multiplier, ça
ça peut s'additionner, parfois c'est la différence, et ainsi de suite. Donc vous remettre à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, donc j'en ai laissé deux sur le côté, hein, vous pouvez les faire. Oui. Pourquoi le 2 exposant 3? Celui-là? Celui-là. Hein. Ça, c'est la même chose que 2 fois 3 exposant 3. Donc, on avait 6 exposant... Où est-ce que je suis? 6 exposant 3. Le 6, tu le décomposes en 2 fois 3. Et c'est vrai que j'ai fait deux étapes en une, c'est-à-dire que le 2 fois 3 exposant 3, j'ai distribué. Et donc, tu l'as ici, 2 exposant 3 fois 3 exposant 3. Ça vient de là. Ça va? Pas de souci. Ok. Tu veux faire quoi? Le? Pas de souci. On te comprend. L'après-midi, c'est toujours un peu plus dur. Ça va, Mohamed? Pas de questions? Non? Ok. Allez, pour vous réveiller, le 4, je fais à chaque fois le même petit challenge, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je laisse 5 minutes pour faire les 10. Si vous êtes bien entraîné, normalement vous devriez arriver, mais en général, je vais tout de suite le dire, c'est rare qu'on y arrive, en cours prépa. Voilà. Donc je vais quand même vous arrêter après 5 minutes. On va essayer de tenir le rythme et puis après, je ferai tout ça au tableau. Donc, 5 minutes, top chrono pour faire page 25, le 4, l'exercice 4, factoriser. On vous demande de factoriser.
Il vous reste 2 minutes. Ouais, 30 secondes. Voilà, top chrono. C'est la remarque qu'on a le plus souvent, pas pour tout le monde heureusement, mais c'est le manque de temps pour répondre aux questions, surtout les drills qui est une partie de l'examen qui demande d'être avec des automatismes. Donc forcément, ici on est typiquement dans ce qu'on attend comme automatisme, c'est-à-dire tout de suite voir par où aller pour factoriser. Bon, on est en phase d'entraînement, hein, ne vous inquiétez pas si vous bloquez encore, c'est que justement il y a certaines choses à remettre en place. Mais c'est pour vous donner une idée, parce que si ceci vous demande du temps et que c'est vrai pour d'autres éléments de base, mais tout est étiré et donc vous n'aurez plus le temps de faire toutes les questions. Donc, c'est important que ça soit assez rapide. Alors ce que je vais faire ici, c'est répondre au tableau, aux 10 qui sont là, voir avec vous si c'est au clair, et puis passer à GeoGebra. J'ai déjà affiché, mais et je partagerai pour... ceux qui regardent à distance, pour que l'écran soit bien visible. Alors le petit A, peut-être à chaque fois vous posez la question, qu'est-ce que vous avez fait comme première étape? Qui se lance? Juste la première étape, Alexandre. Mise en évidence. Oui, de quoi? Avec 2x. Oui, exact. C'est bon. Donc c'est l'idée principale, là, vous mettez 2x en évidence, du coup il va vous rester 1 plus 4, et c'est du z qui est à côté. 1 plus 4z carré, et 1 plus 4z carré, on ne sait pas le factoriser. Donc ça s'arrête là. Donc ça c'est pour le premier. Celui-là normalement devrait être très rapide. Il y en a évidemment qui sont plus longs. Alors, pour le B, quelqu'un d'autre? Alec, oui. Oui. Voilà, il y a 2 étapes. Première étape, mise en évidence de x cube. Qui vous laisse du x carré moins 1. Mais si vous vous arrêtez là, vous êtes au milieu du guet. Voilà, quelqu'un qui connaît le nom? Pas le combiné. Donc c'est un des produits remarquables, tout simplement. Voilà, tu dis la formule, produit remarquable, et effectivement qui fait apparaître des binômes conjugués. Donc ceci, on continue, et on dit que c'est la même expression que ceci. Tout ça, c'est bien un moins ici. Okay. Et là, on a tout à fait factorisé. On a été jusqu'au bout de la chaîne de facteurs qu'on peut identifier. Est-ce que ça va pour le B? Vous m'arrêtez hein, si jamais une question supplémentaire. Mais donc, différence de 2 carrés. X au carré moins 1 au carré. Évidemment, il n'est pas écrit moins 1 au carré, mais c'est ça qu'on a utilisé ici. Alors, pour le C, quel est le principe? Alors vous pourriez tout distribuer, mais vous allez perdre du temps. Parce que si vous distribuez tout, vous allez d'abord distribuer les carrés. Donc 4x plus 1 au carré, 16x carré plus 8x plus 1. Vous allez calculer l'autre. Vous allez ensuite
rassembler les termes, et puis chercher les racines d'un polynôme de second degré. Vous pouvez le faire, mais vous allez faire certainement un chemin deux fois plus long que l'autre solution, qui est encore un produit remarquable, celui qui correspond à observer la différence de 2 carrés. Donc on a 4x plus 1 au carré, moins 2x plus 5 au carré. Évidemment, moins évident à reconnaître que quand il y a moins de choses dans les parenthèses. Enfin, donc, on a 4x plus 1 moins 2x plus 5. Et puis la même chose, donc fois la même chose, avec 4x plus 1 plus 2x plus 5. Remarquez que j'ai juste mis la parenthèse pour 2x plus 5 quand il y avait un signe moins, pour ne pas se tromper. Alors là, vous avez complété la factorisation, mais si vous vous arrêtez là, ça ne va pas, puisqu'il faut au moins simplifier ce qu'il y a dans les parenthèses. Et donc, après simplification, je vais l'écrire en dessous, de ce qu'il y a dans les parenthèses, vous allez avoir 4x moins 8x, ça fait moins 4 fois x, plus 1 moins 5, donc moins 4, 6x pour l'autre, plus 6. Voilà, vous pourriez vous arrêter là, mais c'est peut-être un peu dommage. Et ça, disons qu'on va moins pénaliser ça, mais le moins 4 et le 6, les deux peuvent être mis en évidence. Attendez, j'ai fait une bêtise. Oui, c'est 4x moins 2x, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais multiplié 2x moins 4. Donc c'est un 2 qu'on peut mettre en évidence et un 6. 2 fois 6, ça fait 12. Il va rester du x moins 2 et du x plus 1. Voilà. Ce qui met en évidence, je le rappelle hein, simplement, la factorisation ici, met en évidence qu'on a bien affaire à un polynôme du second degré qui a comme racine 2 et moins 1. Évidemment, c'est intimement lié. La factorisation d'un polynôme et ses racines sont directement liées. Voilà pour le C. Est-ce qu'il y a une question pour le C? Une fois, deux fois, trois fois. C'est bon. Alors, on passe au D. Et j'aimerais entendre ceux qui n'ont peut-être pas encore proposé des solutions pour le D. Oui, Alex et Alexandre, vous avez déjà proposé, donc je vous ai comme joker, si jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour le D? Oui, Mohamed. Je ne suis pas sûr, mais j'ai fait un produit remarquable aussi. Oui, c'est bien ça qu'il faut appliquer. Lequel? Bien joué, c'est une possibilité. Donc c'est comme si en fait tu avais, je vais l'écrire comme ça, vu que c'était aussi la différence de 2 carrés. C'est ça finalement, hein. Mais c'est correct évidemment. Et donc on est encore avec une différence de 2 carrés. Bon, c'est pas pour rien que ça apparaît plusieurs fois dans cette liste, c'est parce que c'est un des produits remarquables qu'on rencontre peut-être bien le plus. J'ai jamais fait de calcul, mais c'est pas impossible. Alors, du coup, on applique la formule sur celui-là. Okay. Ce qui nous donne x cube moins y cube fois la somme, donc x cube plus y cube. Alors, ce n'est pas terminé. Et c'est peut-être là où, quand vous revenez, pardon, page 22, on vous a bien dit qu'il y a des formules à connaître par cœur, des formules dont il faut connaître l'existence, pour ensuite les appliquer. Et donc c'est là où, si vous ne savez pas que la différence ou que la somme de 2 cubes peut être factorisée, eh bien vous allez louper l'étape suivante de factorisation. Je ne sais pas si, Mohamed, tu avais encore factorisé à partir de là? Non? Quelqu'un d'autre? Non? Ah, Alec, oui? Moi, c'est le tout exposant 6. Ah non, x moins y, le tout exposant 6. C'est comme si tu avais fait ça. Tu me dis que x moins y exposant 6, c'est comme si tu distribuais l'exposant. Ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas distribuer l'exposant. Si c'était fois, tu peux le faire. X fois y, le tout exposant 6, alors tu peux distribuer. Donc ça, attention. Peut pas. Bon, alors, différence de 2 cubes. Je vais l'écrire en dessous. Le premier... C'est, vous pouvez voir, fin de la page, hein, mais donc
c'est x moins y, x carré plus xy plus y carré. Ça, c'est pour la différence des deux. On commence par une différence et puis on complète avec ceci. Et pour la somme des deux, mais il y a aussi moyen de factoriser. Et c'est en fait la somme des deux. Et après, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un petit moins qui vient se glisser sur le xy. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez retenir la première étape. Si vous retenez au moins que la différence de deux cubes, ça commence par une différence et puis qu'on complète avec des carrés et un produit mixte, xy. Et dans l'autre cas, ça va avec cette petite différence. Vous pouvez vérifier aussi. Hein. Donc on a bien du x cube, on a bien du moins y cube. Et puis ce qui va se passer, c'est que tout le reste va s'annuler. Par exemple, x fois y carré va s'annuler avec moins y fois xy. Tout comme le moins y fois x carré va s'annuler avec le x fois xy carré. Donc il y a des produits, les autres produits qui vont s'annuler. Alexandre ? On va voir ce que vous avez fait dans la deuxième étape. De là à là ? Ouais. Oui, j'ai appliqué la formule page 22. Donc ce sont, il y en a 4 hein, des formules. Donc j'ai simplement appliqué les deux premières, non les deux dernières, pardon. Ce sont les deux dernières. Évidemment, j'ai appliqué de droite vers la gauche. Donc ce sont les deux dernières formules, page 22. Voilà, celui-là était un peu plus long. Pour le E. Il y a quelqu'un d'autre que Alec, Alexandre ou Mohamed? Oui, Théo. Oui, c'est un produit remarquable. A plus 3 au carré. A moins 3, pardon. A moins 3 au carré. Voilà, de nouveau, on peut le, soit vous le reconnaissez, soit vous perdez un peu de temps à recalculer les racines et vous vous rendez compte que le discriminant est nul, qu'il y a une racine double qui vaut 3 et vous avez la formule. Mais idéalement, vous le reconnaissez tout de suite. Oui. Oui. Alors, c'est page 22, donc dans les formules de second degré, c'est celle du milieu. A moins B au carré égale la somme de deux carrés moins deux fois leur produit. C'est pas A plus 3 aussi. Pardon ? C'est pas A plus 3 au carré. C'est moins 6A. Si c'était plus 6A, alors tu as raison. Mais ici, c'est, moi j'ai sur ma feuille, j'ai moins 6 fois A. Donc on voit qu'on a A au carré et le 9, c'est du 3 au carré. Donc, ce qui est concerné, c'est 3 et A. 3 fois A fois 2, ça fait bien 6 fois A. Si tu as plus 6 fois A, à ce moment-là, c'est A plus 3 le tout au carré. Mais comme c'est moins 6 fois A, c'est moins ici. Voilà, voilà, c'est la formule. Donc, on te retient par cœur. Mais de ceci dit, même si j'ai une hésitation, quand tu refais le calcul dans l'autre sens, tu l'as très rapidement. Parce que A moins 3 fois A moins 3... Tu as A fois moins 3 plus moins 3 fois A. Donc tu as bien moins 6 fois A. Quand tu refais le produit, on le retrouve bien. Le F. Alors, quelqu'un qui n'aurait pas encore proposé. Théo, toi, tu viens de proposer. Oui, Déborah. 3K plus 1. 3K plus 1 au carré. Voilà. Bien vu, c'est encore un produit remarquable. 3K plus 1 au carré. 3k au carré, ça fait bien 9k carré. Le petit 1 au carré, ça fait 1 au carré. Et le 6 fois k vient du 3k fois 1 fois 2. Donc on y est, et dans ce cas-ci, c'est bien plus. Alors, est-ce que le g, vous avez quelque chose? Non? Dorian. Romain? Robin, oui, rien à voir. Robin, Julien, Robin, Julien. Il y a un autre Julien aussi. Voilà. Oui. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas bien. Alors tu peux pas parce qu'il y a le 4. Ou alors ce que tu vas faire, c'est que ça va devenir 4 divisé par m. Mais alors ce que vous faites, c'est que vous ne. Vous créez une condition d'existence et vous compliquez finalement une expression qui est simplement polynomiale, une expression qui contient une fraction. Ça va ?
Oui, Déborah. J'ai fait le delta. Conclusion. Mais comme le delta est strictement négatif, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas de factorisation possible. Donc, il est déjà, un petit piège ici, mais il est déjà factorisé. Donc, le G, voilà, rien à faire en plus. Puisque le... Alors, le H. Ah non, là, le discriminant est positif. B carré, ça fait 4. Moins 4AC... Okay. Alors, pour le H, bon, si vous pouvez éventuellement mettre le petit 2 en évidence, ça ne change pas énormément, mais ça fait des discriminants un peu moins élevés. Donc, c'est 2 fois 6A carré plus A moins 1. Oui ? Est-ce que... Je vais vous laisser un peu de temps, si personne n'a encore eu le temps de le faire, peut-être, pour les racines. Dans ce cas-là, discriminant vaut 25, donc ça c'est bien. On connaît déjà la forme, hein. J'attends juste la réponse finale. 2 fois A moins quelque chose fois A moins quelque chose. Théo. Du coup, ça fait 12 fois X moins 2 fois X plus 3. Ah, donc tu as 2 et moins 3 comme racine, c'est ça? Ouais. 2 n'est pas racine. Si je fais 6 fois 2 au carré plus 2 moins 1, ça ne donne pas 0. Moins 2 non plus, et 3 non plus. Tu vois, à moins 3 non plus, ouais, donc ce ne sont pas ces racines. Vous voyez, ça vaut toujours la peine. Hein. Il y a sans doute une petite erreur quelque part, mais comme c'est facile à vérifier. Alors, Alec. Moi, j'ai 1 tiers comme racine. Oui. Et moins 5 deuxièmes. Moins 5 deuxièmes. Moins 1 retourne. Attends, tu as 1 tiers. Moins 1 demi. Et. Et moins 1,5, donc ce serait comme ceci. Ok. Alors, si on multiplie tout ça, ah oui, il me manque le 6, évidemment, là-dedans. Donc c'est 12 ici, parce qu'il y avait le 6 qui est le coefficient de tête qui multiplie avec 2, donc ça fait 12. Ok, alors, d'autres qui ont ça? Qui a ça? 1 tiers et moins 1,5. Ok, ça semble être... Alors après, on peut vite vérifier. Ça veut dire que si je multiplie un tiers avec un demi, j'ai un sixième, moins un sixième, mais fois 12, ça fait moins un demi. Tiens, ça ne fonctionne pas avec ça. Si je redistribue, je n'ai pas le terme qui vaut moins 12. Ah non, c'est moins 2. C'est moins 2, donc c'est correct. Ouais. Et alors, si je croise... Vous allez avoir 1 demi moins 1 tiers, c'est 1 sixième, et c'est bon, ok, c'est bien celui-là. Correct. J'ai juste redistribué pour voir si ça tombait sur la même chose. Ok. Alors, on y est presque, il reste I et J, mais qui ne sont pas plus compliqués que ce qui a été fait précédemment. Pour le I... Pour le I, Julien, un des deux Julien, est-ce que vous avez une idée? Oui. C'est une différence d'un carré. Différence de 2 carrés, 9x carré moins 16y carré, donc c'est 3x et 4y. 3x plus 4y, 3x moins 4y, qu'on multiplie ensemble. Ça va, tout le monde est d'accord? Et... Le J. Déborah, vas-y. Je mets en évidence A exposant 1,5. Exactement. Parenthèse, AB plus 5. AB
plus 5. Si on redistribue, on a bien 5 fois 1 demi, a demi, pardon. Et a exposant 1 demi fois a exposant 1, si vous additionnez hein, a exposant 1 demi et a exposant 1, ça fait bien a exposant 3 demi. Vous l'avez trouvé. C'est bien. Et donc, je termine par une petite présentation rapide de GeoGebra. Et puis, on va souffler. Alors, je vais juste changer la présentation. Voilà, comme ça. Monsieur, oui. On peut boire au cours. Est-ce qu'on peut boire au cours vous pouvez boire rapidement sous le masque, hein, oui. Ça va. Vous voyez, je vais peut-être éteindre la lumière, que je suis sur Internet. Voilà. Donc, vous le trouvez facilement. En tapant GeoGebra, vous tombez sur le lien direct vers le site. C'est un logiciel gratuit. Multiplateforme, hein, donc que vous soyez sous Linux, Windows ou Mac, il fonctionne. Il fonctionne sur tablette, sur GSM. Juste que le logiciel sur tablette et GSM est présenté un petit peu différemment. Alors, vous pouvez le démarrer en ligne d'ailleurs, démarrer la calculatrice graphique. Si vous faites ça, ça c'est plutôt la présentation que vous allez avoir sur votre GSM ou votre tablette. C'est un peu plus compact. Si vous le téléchargez, donc la version 5, alors ça fait longtemps que j'ai pu été voir où il le mettait, mais téléchargement d'application, je le vois ici. Voilà, il y a la calculatrice ici, et puis juste calculatrice graphique. Bien, je vais juste vérifier maintenant si je lance celui-ci. Et donc ça, c'est bien celui. C'est le 5. Oui, tout à fait. Vous l'avez vu tout en dessous, je vais juste, par curiosité, tester. Ouais, donc ces deux-là. Ah oui, voilà, ok, quelqu'un avait déjà été voir, merci. Voilà, donc c'est le 5, si vous téléchargez le 5, vous allez avoir ceci. Moi, il est dans mes applications. En local, comme ça, vous êtes tranquille, indépendant du réseau. Voilà comment ça se présente. Alors, moi, ce que je fais en général, surtout quand je présente, c'est que je joue sur la taille des caractères. Bon, si je le mets en très grand pour être sûr que ce soit visible. Vous avez une partie tout au-dessus pour enregistrer, ouvrir un nouveau document, éditer, afficher d'autres petites fenêtres, donc sous-fenêtres dans le programme, des options, des outils. Donc ça, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui. De toute façon, les outils principaux, en tout cas en géométrie, sont soit accessibles ici avec des listes déroulantes, donc c'est tout ce qui est points, intersections, des droites, des segments de droite, des perpendiculaires, des parallèles, des polygones, des cercles, des ellipses, enfin des hyperboles, paraboles également, des angles. Donc, voilà, tout ça, on le retrouve dans ces icônes-là. Et d'autre part, et c'est plus complet, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez ici en dessous. Donc si en dessous, j'aimerais bien, par exemple, une fonction f de x, j'aimerais bien que ce soit la fonction 2 fois x carré. Je la note, il affiche en même temps dans cette zone-ci qui est une zone graphique et elle est répertoriée dans la fenêtre. Vous voyez, c'est écrit algèbre. Donc ici, vous avez l'algèbre, c'est une fonction, elle se trouve ici. Je peux décider de ne pas l'afficher ou de la réafficher. Je peux éventuellement, en double-cliquant dessus, rajouter plus 1. Comme ça, elle est translatée vers le haut de 1. Voilà, je peux changer les couleurs. Bon, ce sont des détails. Alors maintenant, dans la vérification des exercices, ce qui va particulièrement vous intéresser, c'est quelque chose qui n'est pas encore affiché par défaut. Ça se trouve dans Affichage. Donc l'algèbre est déjà affichée. Donc ce sont tous les objets mathématiques. Ça peut être un point, un vecteur, une fonction, un lieu de point, etc. Donc tout ça se retrouvera dans cette fenêtre-là. Il y a un tableur comme Excel, mais ça ne va pas être utile dans un premier temps. Il y a le calcul formel, donc c'est celui-là qui va nous intéresser pour vérifier vos réponses. Il y a le graphique, ça aussi, ça peut être intéressant pour vérifier des réponses. On peut afficher un deuxième graphique, un graphique 3D, je ne vais pas en parler, et le reste, je ne vais pas tellement en parler non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va s'en tenir au strict minimum. Alors, calcul formel,
le voici, je vais agrandir un peu la fenêtre. Alors, le calcul formel, ça va vous permettre de demander une simplification. Alors, par exemple, on avait la question du, je ne sais plus lequel, on m'avait demandé, Alex, c'était lequel, le F ? C'était le h. Hein. Donc je vais le recopier. 2x cube, vous notez ici, 2x cube, moins x carré, 2x cube, moins x carré, moins 2x plus 1. Voilà, je mets des parenthèses parce que je vais devoir tout diviser. Divisé par, d'ailleurs je peux mettre les parenthèses dès le départ, alors le h, 4x carré moins 4x plus 1. 4x plus 1. Voilà. Ah, mais il le fait automatiquement ici. C'est-à-dire que quand il l'a mis ici, il a décidé de le simplifier. Sinon, s'il ne le faisait pas, il y a la commande simplifier. Hein. Mais dans ce cas-ci, comme c'est déjà fait, vous voyez, j'ai écrit SIM, il y a l'autocomplétion. Donc c'est bien ça que je veux. Donc je clique dessus. Et en fait, ce que je veux simplifier, c'est l'expression que je viens d'écrire dans le petit rectangle où il y a un petit 1. Pour faire référence au fait que je veux faire ici, appliquer la simplification à l'expression 1, je mets ici un petit dollar, un petit 1. Il n'y a plus rien à simplifier, il avait déjà fait. Donc. Voilà. Et vous devriez avoir, donc Alex, si tu l'as fait jusqu'au bout, tu peux comparer maintenant pour voir si tu as bien x carré moins 1 sur 2x moins 1. Pardon ? Ah oui, oui. Voilà. Alors, il y a aussi factoriser. Hein, si j'écris voilà, les facteurs. Alors, voilà, factoriser un polynôme. Alors, si on cherche, je vais recopier uniquement le numérateur qui était 2x cube. Ça permet d'avoir une étape intermédiaire éventuellement. Hein, moins x carré, moins 2x. Plus 1, voilà. Donc voilà la factorisation de ce polynôme-là. Alors, si vous pouvez vous demander, bon, moi je sais qu'il y a simplifié et factorisé, vous pouvez, comme c'est en français, vous pouvez commencer à écrire les premières lettres et vérifier ce qu'il y a dans la liste, mais vous pouvez toujours aller voir, je suis ici tout en bas à droite, près du point d'interrogation, qui est une aide à la saisie, et en fait là vous avez répertorié par thème, toutes les commandes possibles. Donc, dans l'algèbre, par exemple, voilà, on peut chercher un dénominateur commun, on peut développer. Alors, il y a des choses qui demandent une explication supplémentaire. Les facteurs premiers, c'est ce qu'on a fait aussi. Résoudre, voilà, simplifier, il est là. Donc, il y a pas mal de choses qu'on retrouve. Vous pouvez aller aussi farfouiller dans les autres domaines. Et sur Internet, dans GeoGebra, il y a également moyen d'avoir plus d'informations. Donc, si vous allez chercher, je vais revenir dans l'accueil. Voilà. Alors, si par exemple, vous demandez, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand je demande factoriser ? Donc, je tape le nom de la commande ici. Alors, ce sont des figures toutes faites. Donc là, je suis dans la recherche pour les figures. Ce qu'on a intérêt à faire plutôt... Bon, moi, je taperai carrément dans le moteur de recherche. En général, c'est ce que je fais. Je mets GeoGebra et puis je mets le nom de la commande, factoriser. Voilà, commande factoriser dans GeoGebra. En fait, c'est wiki.geogebra.org, l'adresse exacte. Et là, il vous explique comment l'utiliser avec un exemple, notes, etc. Alors, c'est là que vous aurez la bonne documentation pour chaque commande. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question sur ce logiciel ? Oui ? Moi, je ne sais pas quand vous lancez le logiciel, vous avez fichier et tout au-dessus. Genre, moi, je ne sais pas. Oui. Alors là, il y a fichier, éditer, affichage et tout. Oui. Mais tu as GeoGebra 6, alors, probablement. Non, c'est 5. Non, c'est sur le 6. Moi, j'ai mis 5 et ça va. Oui. Normalement, si tu as... Alors, tu peux aller voir. Si tu vas dans Aide et tu dis à propos... Et moi, parce que je ne vois même pas comment... Tu es sur Mac, c'est ça ? C'est peut-être une commande. Et dans ceci, donc, il y a une petite préférence ici. Oui.
Ça, tu as la même chose que moi? Oui, là, j'ai. Si tu vas dans aspect, non, la barre d'outils, c'est ça. C'est peut-être barre des titres. Non, c'est pas ça. C'est étonnant parce que normalement, il y est d'office, en fait. Donc, ça m'étonne un peu, mais... Ouais, non, aspect, il est là. Je peux regarder un peu, mais... Il y a toujours des petites choses avec ceux qui utilisent Mac. Donc, c'est pas toujours. Voilà. D'autres questions? Je vais passer près de toi, Alec, pour voir. D'autres choses? Sinon, on fait la pause. Il est 30, donc on reprend à 45 ici. Ça va? Bonne pause, tout le monde. Et alors... Hop là. Et si tu laisses ta souris tout en haut, il ne veut pas... Non, c'est là, ça me met... Voilà, tu as tout là, c'est la même chose que moi. C'est ça. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Ah, en fait, moi, il est dans la barre du truc. Oui, Mac, lui, a décidé... Vraiment, ça, c'est dans tes options de ton système, c'est-à-dire que certaines applications, par défaut, cachent les titres principaux. Et les montres, quand tu vas. Ça, c'est typiquement Mac. Hein. Quand tu vas en bas, c'est seulement là que tu vois les trucs. Ouais, là aussi, là, je peux. Ça, c'est une décision de design de Mac de ne pas afficher par défaut. Okay, mais peut-être que tu peux forcer l'affichage. Oui, ça va, merci, monsieur. Voilà. Voilà, pour ceux qui nous écoutent à distance, je vais laisser tout allumé, mais donc pendant un quart d'heure ici. Un quart d'heure ? Oui, donc à 45 ici. Ça va, bonne pause. Merci à vous
1, 2, 1, 2. Oui, ça reprend. Là. On y est. Juste. Voilà, on va voir si ça n'a pas été coupé. Ouais, c'est bon. Et ouais, on n'a plus besoin de ça. Bien, donc nous en étions au niveau de la factorisation 4, et il y a la complétion du carré qu'on va rappeler ici, enfin, rappeler ou donner, ça dépend un petit peu de ce que vous connaissez déjà. La complétion du carré, c'est quand, malheureusement, la factorisation avec un produit remarquable ne fonctionne pas, mais qu'on voudrait quand même écrire l'expression qu'on a, c'est-à-dire le trinôme en général. Donc quand vous regardez le 5, ce sont tous des trinômes. On aimerait bien présenter ça sous la forme d'un binôme au carré plus une constante. Alors, je m'explique. Avec ceci, c'est encore mieux. Je vais prendre le premier comme exemple. Hein, x carré plus 9x plus 1. Donc on est dans le 5a. X carré plus 9x plus 1. Alors la complétion du carré, c'est donc tout d'abord trouver le carré et puis sa complétion. Alors le carré doit être de la forme d'un binôme. Donc ici vous allez avoir x plus quelque chose. Ça c'est la première étape. Et tout ceci c'est votre carré. Voilà. Si jamais c'était un carré entre guillemets parfait, il n'y aurait pas de complétion à faire. Donc on en a rencontré dans la liste, je vais les pointer maintenant, dans la liste 4, on en a rencontré deux, c'était le F et le E et le F. Dans le cas du E et du F, vous auriez juste ce binôme au carré. Évidemment, la variable du E, ce n'est pas X, c'est A, et la variable du F, ce n'est pas X, mais c'est K, mais sinon c'est le même principe, on est bien d'accord. Mais on a plus 0 quelque part. Pour la plupart des trinômes, on n'a pas plus 0. Il y a une constante qu'on doit trouver. Donc, c'est justement l'étape numéro 2 qui est l'étape de complétion. Alors, complétion, et on complète. Une complétion, c'est compléter. Alors, première étape. Trouver ce qu'il y a à côté du x. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé ce que je devais mettre ici? Alors, l'objectif, hein, c'est de raisonner uniquement sur cette partie du problème pour le carré et ensuite raisonner sur le reste. Donc, petit 1, on raisonne uniquement là-dessus. Et puis, petit 2, on essaye de compléter pour que le plus 1 fonctionne. Donc, comment avoir du x carré plus 9 fois x en faisant x plus quelque chose au carré? Alexandre. 3 racine carrée de x. Alors, 3, c'est moins compliqué que ça. Ah oui, d'abord, tu me parles de racine carrée de x. Attention qu'ici, il n'y a plus de x, c'est juste une constante. Okay. Oui, Mohamed, tu as un début de bras levé, oui, je vois bien. Oui. Oui, c'est ça. Si vous mettez x plus 9 demi, si on met x, attendez, je me perds, 9 demi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du x au carré, celui-là c'est bon, vous avez le même, puis vous allez avoir 2 fois x fois 9 demi, et ça, ça donne bien votre 9x. Et puis, il va avoir, évidemment, un terme qui va rester, qui sera 9 demi au carré. Si je m'arrêtais là, si je ne mettais rien ici, on est bien d'accord qu'on a du x carré, on a du 9x, et on a encore 81 quarts. 81 quarts, c'est 9 demi au carré.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenant compléter et avoir juste 1? Eh bien, ici, en réalité, vous devez avoir le 1, mais vous devez retirer, retrancher le 81 quart qui arrive ici. Vous pouvez vérifier. Hein. Ici, on va vérifier. Donc, une égalité où je vais juste faire un check pour voir si ça correspond. Je vais avoir tout d'abord du x carré plus 2 fois 9 demi fois x plus 81 quart plus 1 moins 81 quart, ce qui est bien égal à x carré plus 9x plus 1. Plus 2 fois 9 demi, ici, hein? Oui, 2 fois 9 demi. Oui, Déborah. Le 2x, il vient de... Le 2x, tu peux... x carré, le 2, et le x juste après. Oui, donc ici, la formule que j'ai en tête, c'est a plus b au carré. A carré plus 2ab, sauf que j'ai pris d'abord 9 demi, plus b carré. Ça va? Non, je vois que Julien, tu as dit non ou c'est juste... Oui. Toi, ça va. Ok, ce que tu as fait comme ça, mais... Ok. Bon, on va essayer d'en faire un autre. Ceux qui pensent avoir compris, faites le 5B. Ceux qui n'ont pas, qui sont pas sûrs d'avoir compris... Ils peuvent m'écouter, mais je vais commencer dans 30 secondes, comme ça je laisse ceux qui veulent faire par eux-mêmes le 5B, ils prennent un peu d'avance. Et puis je vais commencer par écrire après, donc ceux qui sont dedans, évidemment, ne regardez pas, comme ça vous... Et les autres... Donc le 5B, c'est x carré plus 4x plus 36. Oui, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais on peut le simplifier. Hein. Il faut le faire, en fait, idéalement. Donc, ceci, c'est 4 sur 4 moins 81 quart, et du coup, c'est moins 77 quart. Voilà, pour le 5B, je vais commenter, même un peu plus facile, il tombe un peu mieux, disons. Donc, on veut du x carré plus 4x, donc si vous ajoutez ici plus 2, donc x plus 2, donc le 2, c'était ce qu'il fallait trouver au carré, vous avez x carré plus 4x, mais vous avez plus 4, or il faut plus 36.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ajuster, pour obtenir 36? Comme on a plus 4, on rajoute 32. 4 plus 32, 36. Ça va, je vous laisse faire le C et le D. Le E, vous ne devez pas le faire, donc le C et le D. Je vais attendre un tout petit peu. Il est un peu différent. Pour le C, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la même chose que moi? Pas de questions pour le C? Je vais attendre que tout le monde ait fini le C, et puis après je demanderai pour le D, qu'est-ce que vous feriez comme première étape? Déborah, oui. Donc en fait, après le X, enfin, oui. La première réponse elle a un X, et ensuite c'est moins divisé par 2, c'est le 6, on va diviser par 2. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, tu as raison, je suppose que c'est ça que tu veux faire remarquer, mais à chaque fois, c'est, on regarde le coefficient ici, qui est à chaque fois divisé par 2. Hein, donc, tu avais 4 qui est divisé par 2 et tu as moins 6 qui est divisé par 2. Alors, c'est vrai, ce sera à chaque fois ça, c'est-à-dire que quand tu as du x carré plus quelque chose fois x, quelque chose sera divisé par 2. Ce n'est pas vrai ici parce que ce n'est plus x carré, c'est 3 fois x carré. D'accord ? Donc, du coup, on va se reposer la question. Mais... Ça va, Alec, le C, c'est bon? Oui. Oui, ok. Qui a fini le C, comme ça je vois? Ok, donc plusieurs sont dans le D. Je pose la question à ceux qui sont dans le D. Qu'est-ce que vous proposez comme première étape? Attends, je vais donner la parole à Théo. Alors, si tu pars avec x plus 1,5, donner... Je ne sais pas s'il y a un H ou pas, mais il y a un H. X plus 1,5 au carré. Ça, ça va te donner du X carré plus X. Or, il nous faut du 3X carré plus X. D'accord? Donc, ici, ça, ça te donne du X carré et il faut du 3X carré. Oui? Je te donnerai la parole après. Non, 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 tout à fait. Donc ici, il te faut à chaque fois, dans chacune de ces boîtes-là, il te faut une constante. L'idée est d'avoir x plus une constante au carré et une constante. Mais ça, c'est vrai quand tu as un polynôme où le coefficient de tête vaut 1. Maintenant, le coefficient de tête vaut 3, du coup, il faut faire un petit peu différemment. Vas-y, Alec. Alors, c'est effectivement une première possibilité. C'est un C, un K? Un C. Un C, comme ceci. Donc, tu proposes racine de 3 fois X. Comme ça, déjà, au carré, ça donnera bien 3X carré. Alors, par contre, si tu fais plus 1,5, je vais l'écrire. Donc, ici, il y avait 3 petits points. Hein. Là, le problème, c'est que tu vas avoir 2 fois racine de 3x fois 1,5, donc ça va te donner du racine de 3 fois x. Donc le coefficient que tu vas devoir avoir devant le x et racine de 3, or il te faut 1. Voilà, donc on avance malgré tout.
Alors, tu veux bien répéter, c'est bien Robin ? C'est ça. Vas-y. 3 fois. Ah oui. 3 fois entre parenthèses, x plus 1 sixième au carré, comme ceci. Hein. Alors, on va s'arrêter là, puis tu vas me dire la suite. Donc, si donc on a mis le 3 en fait en évidence, ce qui permet, je vais le mettre ici, de retomber sur un problème qu'on connaît. Puisqu'une fois que vous mettez le 3 en évidence, ben vous avez un polynôme où le coefficient de tête vaut 1. Je suppose que c'est peut-être ça que tu as pensé la réponse. Donc, on a du x carré, on a 1 tiers de x, mais fois 3, ça fait x. Et puis, au final, tu as 1 36e fois 3, donc 1 12e. Et il faut 1, donc tu as rajouté 11 12e, c'est correct? Oui. OK, donc ça, c'est une bonne manière de faire. On a une compression du carré. Déborah? Et si x, on met sur 3? Alors, alors, si tu mets divisé par 3, tu vas avoir x carré divisé par 9. Donc ça va être compliqué. Par contre, l'idée ici, qu'Alec avait proposée, elle revient à celle de Robin. Donc, Alec 2. Je reprends ton idée, je vais juste l'appliquer. Ça va? Alors, ici, le 3 qui rentre dans la parenthèse, ça, il y a souvent une erreur, c'est que ça va devenir racine de 3. Donc, vous allez avoir ici racine de 3 fois x plus racine de 3 sur 6 divisé par 2. Et puis, bien sûr, c'est la même chose. Comme ceci. Donc, les deux, celle de Robin et la deuxième. Oui, les deux qui sont tout à fait valables. Celle de Robin et celle que j'ai légèrement adaptée. Parce que j'aimais bien ici l'idée de départ. Voilà, vous verrez que ça, notamment, quand on veut calculer une primitive, dans certains cas de figure, il faut passer par cette compression du carré, ou en géométrie, lorsqu'on veut remettre sous une forme standard l'équation d'une parabole ou d'un cercle, d'une hyperbole, etc., et on passe par des compressions. Ça va? OK. Ça va? Alors, le E, en fait, vous ne devez pas faire, c'est un cas tout à fait général. Après, ce n'est pas inintéressant, c'est un peu plus théorique. En fait, c'est même une démonstration que vous avez peut-être déjà vue dans le secondaire, puisque c'est celle qui permet de montrer que ax² plus bx plus c peut être écrit sous la forme d'un carré plus quelque chose. Et donc, ça permet de localiser le minimum ou le maximum, et ainsi de suite. Bon. C'est une réécriture. Sous une autre forme d'un polynôme de second degré. Mais c'est hors cadre par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le 6, on ne va pas le faire, vous pouvez le faire en exercice, mais je me demande si ce n'est pas un qu'on retrouve déjà dans la liste. X cube plus 2x carré moins x moins 2. Ah non, il est un peu différent, parce que x carré plus x plus 1... Ah non, c'est un autre. Donc voilà, bon, il ressemble assez bien à ce que vous avez fait dans la liste, page 24, donc je ne vais pas vous demander de le faire. Le 7, voilà, là c'est un peu nouveau, donc on va aller vers ça. Dans le cours de mathématiques, mais également dans toutes les autres disciplines, vous allez avoir pas mal d'expressions paramétrées. C'est-à-dire qu'il y a une expression où vous avez du x, c'est le cas du 7a, mais il y a un paramètre k qui peut prendre des valeurs différentes, en fait, qui doit être considéré comme une constante, hein, mais on ne connaît pas à l'avance sa valeur, ou on fait exprès d'ailleurs de ne pas la fixer, parce que ça permet de résoudre, du coup, n'importe quel problème avec ce fameux paramètre k. Okay. Pensez, vous devez par exemple résoudre le problème suivant, je lance un objet avec un angle et une vitesse initiale, donc ça crée en fait une trajectoire
paraboliques, donc ces fameux tirs balistiques classiques où on néglige les frottements, et on aimerait bien savoir quelle est la portée de mon tir. Okay, donc j'ai un angle de 37 degrés, je lance ça au départ à 10 mètres secondes, jusqu'où va aller l'objet avant d'impacter le sol. Alors les paramètres c'est quoi? C'est l'angle, alpha, et l'autre c'est V0, la vitesse initiale. Et donc je peux avoir une réponse qui va dépendre de ces deux paramètres. Si j'ai une réponse qui dépend de ces deux paramètres, c'est beaucoup plus riche qu'une réponse voilà, figée, qui me dit que ce sera 37 mètres pour ces deux valeurs numériques. Là j'aurai une réponse qui peut être modulée en fonction des caractéristiques initiales du départ. Bon, ça, je vends évidemment le fait de paramétrer et de pouvoir répondre à des questions avec des paramètres. Alors, le 7A, c'est une question un peu plus poussée que ce que vous avez eu jusqu'ici par rapport à la première liste qui était simplifiée. On vous demande de déterminer la valeur de K pour que la fraction suivante soit simplifiable. Et puis, on va éventuellement, on va le faire, d'ailleurs, on va effectuer la simplification. Comme ça, on aura une division euclidienne. Que, notamment j'en avais parlé avec Alec, on montre au moins une division euclidienne, donc ce sera ici qu'on va la faire. Donc le 7A, voilà, je vous laisse 2 minutes pour essayer de rentrer dans le problème et essayer de prendre un peu de recul, ça va, de dire tiens mais comment faire, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces éventuellement pour vérifier que je vais dans la bonne direction. Donc le 7A, pour quelle valeur particulière de K, il y en a peut-être une ou plusieurs, on peut simplifier la fraction rationnelle. Fraction rationnelle, c'est une fraction de polynôme. Et ensuite, remplacer la valeur de K, enfin, remplacer K pardon, par cette valeur particulière et simplifier. Oui, je vais arriver. Je fais le petit tour de banc dans une petite minute. Mais tu vas avoir K sur X alors. K sur X et puis le X, je peux le faire passer en dessous du coup. Non, parce qu'il apparaît uniquement dans un des termes. Il faut que ce soit une. S'il apparaissait dans, sur tous les termes, tu le mets en évidence et alors tu peux passer en dessous. Oui, non, donc je suis obligé de faire une division euclidienne ici. Ça, c'est une solution si tu fais une division euclidienne dès le départ. Si j'ai K sur X. Mais tu vas avoir le paramètre K dans ta division euclidienne. Si j'ai K sur X, là je peux faire delta pour trouver le binôme, là, comme on avait fait. Donc X plus quelque chose et X moins quelque chose. Parce que le delta, c'est pour un polynôme du second degré. Alors mais ici. Oui, non, en second degré, non. Mais il y a du K sur X aussi. Donc tu veux annuler tout, y compris le K sur X. Alors, si vous faites une division euclidienne, c'est une possibilité. Donc, ça veut dire que tu vas diviser le numérateur par le dénominateur, donc tu avances. Et tout à la fin,
ce qu'il faudrait, c'est que, effectivement, le polynôme soit divisible. C'est-à-dire que le reste soit nul à la fin. Le reste que tu vas avoir va dépendre de k, et donc effectivement, tu vas pouvoir trouver une valeur de k pour laquelle le reste est nul, donc ça va répondre à la question. Ça, c'est une possibilité. C'est pas la plus simple. Ouais, je vais certainement donner une piste hein, bientôt. Je vais d'abord faire le petit tour des questions. Je te laisse encore un petit peu transpirer là-dessus. Oui, pardon. Ici, je ne comprends pas, parce que j'obtiens un truc encore plus loin. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait passer le x plus 2 de l'autre côté, puis j'ai distribué. Et tu as multiplié par x plus 2? Oui, et du coup là j'ai... Oui, mais tu ne peux pas multiplier comme ça. Pourquoi le polynôme qui divise maintenant va multiplier? Parce que tu n'as plus la même chose alors. Ah oui, oui c'est vrai. Ouais, voilà. Est-ce que je peux faire comme ça, après calculer le delta? Non, mais tu n'es pas tout seul. Il y en a un autre qui a voulu faire ça. Ouais. Parce que tu as du cas sur x. Donc, en delta, tu dois avoir une expression qui est un polynôme de second degré. Mm-hmm. Et tu cherches à savoir pour quel x il s'annule. Et donc tu fais la formule que vous connaissez. Et ça, ce n'est pas un polynôme de second degré. D'accord. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Oui, hey, pardon, Théo, vas-y. Non, ici c'est une autre manière de faire, parce que je crois que M. Coulot vous l'a dit, mais du troisième degré, on ne vous donne pas des formules, elles sont assez compliquées, donc vous aurez toujours, soit on vous donnera une des racines directement. Vous avez une question? Ah ok, ça va. Non, parfois je vois des bras levés là où il n'y en a pas, mais... Ok. Allez, je vois qu'il y en a quand même plusieurs qui bloquent. C'est normal, hein, c'est un peu nouveau. Alors, vérifier que le son, ça va. Pour le 7A, je ne ferai pas les autres, hein, je vous laisse parce que le principe est le même, donc écoutez bien ici pour ce qu'on va faire. Je vais le recopier. Donc on a un polynôme de troisième degré. Évidemment, un réflexe, c'est de vouloir connaître les racines. Mais comme c'est un polynôme de troisième degré, à moins qu'il y ait une racine évidente, mais ici ce n'est pas le cas, d'autant plus qu'il y a un paramètre. Ou bien qu'on vous donne une racine, ce n'est pas le cas non plus, on ne sait pas ici connaître les racines du numérateur. Oui, vas-y, Romain. Si le polynôme c'est un multiple de x, si k c'est un multiple de x, on pourrait mettre x en évidence. Ah oui, alors k, attention, c'est un paramètre constant. C'est vrai que ça n'a pas été. Ce n'est pas k qui dépend de x, ce n'est pas une fonction de x. Mais tu as raison, ça pourrait. Hein. Mais. La plupart du temps, mais c'est vrai qu'on pourrait à chaque fois préciser, quand on met un petit k, enfin, quand c'est un paramètre, c'est toujours constant. Divisé par x plus 2, et je profitais de ce que Robin m'a proposé, donc à savoir, oui, mais si k c'est x ou 2x, ou voilà, que c'est une expression qui est quelque chose fois x, à ce moment-là, c'est pas mal. Et effectivement, parce qu'on pourrait mettre en évidence le x, et alors on retombe sur le polynôme du second degré. Très bon réflexe, j'ai vu chez certains, c'est-à-dire le second degré en maîtrise, donc comment faire pour qu'on retombe sur ce problème-là? Donc ça, c'est le bon réflexe mathématique, c'est retomber sur quelque chose de connu. On l'a déjà fait plusieurs fois. Seulement ici, voilà, certains qui l'ont fait ont écrit x avec x en évidence ici, donc vous aviez du k divisé par x. Et ça, une fois que vous avez du k divisé par x, on a une expression qui n'est plus polynomiale. Et si vous n'êtes plus avec des polynômes, en général, ça se complique. Et c'est le cas avec k divisé par x. Donc, c'est une fausse bonne idée d'aller vers cette direction-là. Alors, en revanche, souvenez-vous, quand j'ai dit qu'on pouvait simplifier, c'est parce qu'il y avait un facteur commun au-dessus et en dessous. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait avoir du x plus 2 au-dessus, dans les facteurs. Si je factorise le numérateur, s'il y a du x plus 2, il y aura simplification. S'il n'y a pas de x plus 2, il n'y aura pas de simplification.
Donc la question peut être transformée en pour quelle valeur de k le polynôme numérateur contient dans ses facteurs de x plus 2. Ça va jusque-là? Alors après, il y a, et c'est surtout cette traduction-là qui va m'intéresser, la traduction en termes de racine. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de racine que le polynôme numérateur est du x plus 2 dans ses facteurs? Donc qu'est-ce que ça signifie que le polynôme ici au numérateur est comme facteur x plus 2? C'est-à-dire que quand on le factorise, on sait qu'il va avoir du x plus 2. Il va avoir x plus 2, entre parenthèses, fois un autre polynôme. Du coup, on peut affirmer quelque chose sur les racines des numérateurs. Je vais écrire un peu, hein, parce que certains sont peut-être plus visuels qu'auditifs. Donc, simplifiable. Si et seulement si. Donc, ce que je vais mettre maintenant, c'est une condition qui est équivalente pour être simplifiable. Là, on cherche x plus 2 au-dessus. Alors, c'est simplifiable uniquement si et seulement si. Le numérateur contient du x plus 2 dans sa factorisation. S'il n'y a pas de x plus 2, quand on a tout factorisé, on ne sait pas avoir de facteur commun. On est d'accord. Oui ? Si on met x carré en évidence. Numérateur. Ah oui, mais tu auras du x plus 2 et d'autres choses. Il faut que x plus 2 soit un facteur. Il faut que ce soit x plus 2 fois quelque chose. Toi, tu as trouvé quelque chose fois x plus 2 plus encore quelque chose. Toujours avoir raisonné en termes de produit complet. Théo. Est-ce qu'on précise k pour avoir x plus 2 ou pas ? Bien sûr. On doit même ajuster la valeur de k pour avoir du x plus 2. Si tu remplaces k par 2, c'est ça ton idée ? Alors, en effet, en tout cas, ce que tu proposes là précisément, ça ne va pas. Je reviens donc du coup sur la traduction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le numérateur est du x plus 2 dans sa factorisation, Robin ? Moins 2 est racine. Ça va pour tout le monde, ça ? S'il y a x plus 2 dedans, il y a moins 2. C'est toujours la même chose. X moins c'est racine. Donc x plus 2, si x est remplacé par moins 2, c'est qu'il y a racine. Donc si et seulement si, le numérateur, qui est un polynôme du troisième degré, possède une racine en x égale moins 2. Et ça, on sait vérifier facilement. Comment on fait pour vérifier que le numérateur s'annule en moins 2 ? On remplace. On remplace le x par moins 2. Alors, bien sûr, si vous faites ça, il va rester le k, mais donc on va avoir une relation pour k. Alors, donc on a remplacé par moins 2. Moins 2 au cube, moins 8, plus 2 fois moins 2 au carré, donc plus 2 fois 4, plus 8. Plus 6, plus k, et ça doit être égal à 0. Donc voilà, on va de condition équivalente à condition équivalente. La question de savoir si la fraction est simplifiable est devenue la question, est-ce que le numérateur s'annule en moins 2 ? Oui, si seulement si on a ça, c'est-à-dire si maintenant vous mettez le k en évidence, si k est égal à moins 6. Et on répond donc à la question, à la première partie de la question. Déborah. On ne prend plus en compte le dénominateur. On l'a pris en compte au moment où on dit que le numérateur contient du x plus 2. Donc si ça devient x plus 3, il y a toute la suite qui va changer. Puisque à ce moment-là, si c'était divisé par x plus 3 au lieu de x plus 2, ça voudrait dire que c'est en moins 3 que ça doit s'annuler. Okay.
Donc on a bien tenu compte du dénominateur, dès le début. Ça va Déborah? Je vois que tu es... En général, quand on fixe ce tableau, après que je réponds, c'est qu'il y a encore un petit quelque chose qui bloque. Alors, peut-être que c'est ce passage-là qui t'ennuie. Comment on peut dire, comment passer de là à là? Ou ça va? On n'inclut pas, du coup, dans le numérateur, le x plus 2. Si, on impose qu'il y ait, lorsqu'on factorise le numérateur, un des facteurs qui doit être égal à x plus 2. Il faut, en fait, ici, si tu veux, il faut que ceci puisse être écrit comme x plus 2 fois, et tu continues, avec un autre polynôme du second degré. Parce que si tu as ça, alors tu vas pouvoir barrer les deux x plus 2. Mais on ne l'a pas simplifié. Pas encore. Et du coup, comme on a eu la... On n'a pas factorisé. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est un réflexe qu'on voit souvent, c'est que la plupart des étudiants, surtout quand on est fraîchement sorti du secondaire, en général, hein, je fais des généralités, c'est qu'on va vers du systématique. Tiens, on vous donne une équation de second degré, tout de suite vous foncez, moins b plus ou moins racine de delta, etc. Et il y a peu de recul, il y a peu de, tiens, bon voilà, on me demande ça, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un autre outil ou qu'est-ce qu'on va avoir avant de se lancer dans l'outil? Et ici, c'est typiquement une question qui demande de prendre un peu de recul, en disant, tiens, mais ça veut dire quoi être simplifiable? Être simplifiable, c'est lorsque je vais avancer, c'est-à-dire avancer ici, c'est factoriser le numérateur, parce que le dénominateur, il n'y a rien à faire. X plus 2, il n'y a plus de factorisation. Quand je factorise le numérateur, ben, il faut trouver des racines et écrire x moins la première racine fois x moins la seconde fois x moins la troisième. Donc tu avances à chaque fois dans les racines. Et il faut absolument qu'il y ait du x plus 2, parce que s'il n'y a pas de x plus 2, il n'y a aucune simplification, et donc en fait, on a déjà ici une forme simplifiée. Si j'écris ceci dans GeoGebra et que le numérateur n'a pas de x plus 2 dans ses facteurs, GeoGebra va rien faire comme simplification. Mais ici, on cherche à calibrer, à mettre une bonne valeur sur le cas, pour que le numérateur s'annule en moins 2, en x égale moins 2, parce que s'il s'annule en x égale moins 2, on sait qu'il va avoir du x plus 2. Ça va? Donc simplifiable, si lorsqu'on factorise ce qu'il y a au-dessus, il y a du x plus 2, ce qui veut dire qu'il faut une racine en moins 2, mais avoir une racine en moins 2, c'est, comme Alec l'a dit, remplacer tout l'x par moins 2, on a ça, et donc le k doit être égal à moins 6. Quand le k est égal à moins 6, on est sûr que le numérateur va s'annuler en moins 2, c'est ça, et donc il va avoir du x plus 2 dedans. Mais que si on remplace x par moins 2? Oui, c'est là, puisque c'est du si et seulement si. Donc ce n'est pas seulement une condition ici qui est suffisante, elle est aussi nécessaire. Condition suffisante, elle suffit pour satisfaire le fait que ce soit simplifiable, mais elle est également nécessaire, il n'y en a pas d'autre, c'est nécessaire d'avoir ça. On dit qu'une condition est suffisante et nécessaire, elle est équivalente. D'où le si et seulement si. Bon. Alors, la deuxième partie de la question, c'est, bien, très bien, maintenant, allons-y, simplifier, et ça, ce sera la division euclidienne qui va suivre. Alors, il y a un exemple de division euclidienne qui est faite page 23, mais je vais donner l'explication ici. Donc, quand on fait une division euclidienne, donc deuxième partie, c'est de remplacer le k par moins 6. Donc maintenant, j'utilise cette valeur-ci pour venir remplacer. Ce qui me dit que je vais avoir la division suivante de x cube plus 2 fois x carré moins 3x plus 6 divisé par x plus 2. J'ai remplacé k par la valeur qui fonctionne. Je vais diviser par x plus 2, et ça va me donner ce qu'on appelle le polynôme quotient, c'est-à-dire le résultat de la division. Oui? Le moins devant 6... Ah, c'est le moins, oui, c'est moins 6. C'est parce que j'ai pas bien recopié. Merci d'avoir corrigé avant que je développe tout ça. C'est moins 6. Alors, le principe est le suivant. On va construire le polynôme quotient à cet endroit-ci. Donc, ce qu'on va avoir ici, c'est le résultat de la division qui est appelé
polynôme quotient. Un quotient, c'est un rapport de deux polynômes. Comment on fait? Eh bien, on va chercher tout d'abord à obtenir x cube. Comment j'obtiens x cube? En faisant x carré fois x. Donc, en plaçant x carré en multipliant par le diviseur, vous allez obtenir le x cube et vous allez également avoir plus a. Ici, on en a deux d'un coup. En général, on n'a pas deux d'un coup, mais donc on a aussi 2x carré. Voilà. Donc, je vérifie si ça fonctionne. Normalement, ce qu'il faut, c'est que ce que j'ai ici en jaune, fois x plus 2, est égal à ça. On peut lire dans l'autre sens. Donc, ça divisé par ça égale ça, ou bien ce que vous allez obtenir ici, fois ceci, est égal à ce cas-là. Okay. X carré fois x plus 2 n'est pas tout à fait égal à ce cas-là. Il y a encore une différence. La différence, on va la calculer. Elle est égale à, donc ici ça vaut bien 0, ça vaut bien 0, mais il y a encore ici 3x moins 6. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour obtenir 3x moins 6? Voilà, vous l'avez, moins 3. Ah, il y a une question? Non, j'ai cru qu'il y avait une question, c'était la réponse, moins 3. Donc moins 3x... oui, ici c'est moins, c'est ça que peut-être que vous m'avez dit. Oui, merci. Voilà, moins 3. Donc moins 3 fois x plus 2, ça vous donne moins 3x moins 6. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, on a 0. 0, c'est ce qu'on appelle le polynôme reste. Et quand ce polynôme reste est nul, ça veut dire qu'on a bien pu diviser jusqu'au bout. Polynôme reste. Qui ici est nul, donc on peut dire que le polynôme x cube plus 2x carré, etc., divisé par x plus 2, enfin, est divisible, pardon, par x plus 2. En fait, là, on a utilisé la division euclidienne pour vérifier. Mieux que ça. Alors, c'est vrai que ça peut servir de vérification, parce que si tu n'avais pas 0 ici, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, ce x plus 2. Mais ce qu'on a en plus comme information, c'est la suivante. C'est que je peux maintenant dire que x cube plus 2x carré moins 3x moins 6, ce n'est rien d'autre que x plus 2 fois ce qu'on a trouvé, donc le x carré moins 3. Donc quand on factorise, en fait, je sais que x plus 2 fait partie de la factorisation, vous divisez par x plus 2 et vous avez la suite de la factorisation. Alors, quand on revient au problème de base, maintenant, si vous remplacez le numérateur par ça, on va le mettre ici. Donc, vous avez, je vais le recopier, hein, x cube plus 2x carré moins 3x moins 6 divisé par x plus 2 est égal à x plus 2 fois x carré moins 3 sur x plus 2 est égal à x carré moins 3. Voilà, quand k égale moins 6, il y a une simplification, parce que dans ce cas-là, le numérateur et le dénominateur partagent la même racine, qui vaut moins 2, et donc on a une simplification qui vous donne le polynôme x carré moins 3. En fait, cette fonction qui paraît compliquée au départ, fraction rationnelle, n'est rien d'autre qu'un polynôme du second degré, avec juste ce qu'on appelle un trou, c'est-à-dire ici, quand x vaut moins 2, la fonction n'existe pas. Donc c'est x carré moins 3, mais quand x est égal à moins 2, il n'y a pas d'image. Pour être tout à fait exact, seulement ça ne se voit pas. Dans GeoGebra, si vous tapez ça, il va vous faire la belle parabole x carré moins 3, pour résumer autant que vous voulez, il ne va pas vous indiquer qu'il y a un point de non-existence. Bon, c'est pas grave, de toute façon, nous, on le sait, si on analyse de plus près. Voilà, le B, le C, c'est un peu le même principe, hein, donc on va pas... C'est un bon entraînement si vous voulez faire au moins un des deux. Mais si vous appliquez ce principe-là, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a encore des questions, alors que ce soit sur le 7A ou sur la division euclidienne que j'ai faite ici? Ça va? Donc Alec, normalement, si tu appliques ça au problème que tu m'as montré,
ça devrait aller. Pour le B et le C, c'est lequel les coefficients, ce sera le même principe que vous avez combien fait. Oui, je vais regarder avec vous. Hein, le... On peut regarder ensemble. Le B, il y a un coefficient K qui multiplie le X. C'est toujours un K qui est un réel qu'on ne connaît pas. Hein. Et en dessous, eh bien, en dessous, c'est 2X moins 1, le tout au carré, il me semble. Oui. Donc, c'est 2X moins 1 au carré. 2x moins 1 au carré, ça veut dire qu'il y a quoi comme racine pour le dénominateur? Deux fois x moins 1 au carré. Un demi. Deux fois x moins 1 s'annule en un demi. Donc, il y a une racine double en un demi au dénominateur. Donc, vous remplacez pour le petit b le x du numérateur par un demi et il faut qu'il s'annule. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir une condition sur K, et puis vous déballez le tapis rouge, comme on l'a fait ici, jusqu'à la simplification. Le petit C, vous remplacez X par moins 2 de nouveau, et vous vérifiez. C'est vraiment très semblable, puisque le dénominateur, c'est X plus 2. Théo. Oui, oui, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose ou pas? Non? Alors, je vais vous lancer un peu comme on avait fait pour les factorisations. Je vais vous remettre au travail, page 27. Bon, je ne vais pas faire des rappels sur les équations du premier degré, mais on va plutôt directement se lancer dans les exercices. Donc, page 27, il y a le petit A, le petit B, C, D, etc. Je vais vous demander de faire ABC, DEF, GH, I et J, donc les 10 premiers. De nouveau, je vous laisse 5 minutes pour essayer d'avancer le plus vite possible. Ouais. Je dirais que là, il faut peut-être un peu plus que 5 minutes. Et je vous laisse 7 minutes. Comme ça, c'est ce que je laisserais si je devais vous laisser faire de A jusqu'au J. Parce que le J a peut-être un tout petit peu plus de réflexion, comme il y a un énoncé. Donc 7 minutes pour les 10 premiers de A jusqu'à J. Et puis on corrigera, et puis je pense qu'on arrivera à la fin avec ça. Théo, j'ai laissé 7 minutes pour faire les exercices page 27 du petit A jusqu'au petit J. Bon amusement. Ah oui, oui, le C, tu fais bien de poser. Donc c'est racine de 2 fois 5, c'est pas racine de 25. Donc le petit C, c'est vrai que c'est pas très clair, c'est racine de 2 fois 5.
Et après, il y a le x, oui. Racine de 2. Donc, ou si tu veux, 5 fois racine de 2 fois x. Encore 3 minutes. Ok, on y est. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vous demande, pour chaque exercice, si vous avez une réponse. Le petit A. Bon, le petit A, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Il faut juste opérer sur les fractions. Alors, je sais que c'est dur de s'arrêter pour ceux qui sont encore dedans, mais voilà, je vous laisserai un peu de temps si vous en avez besoin pour... À partir du moment où vous n'avez pas de réponse. 1 quart moins 1 tiers, ça fait moins 1 douzième. Fois 2, ça fait moins 1 sixième. Et donc, moi, j'ai x égale moins 1 sixième. Si vous mettez tout d'un côté, donc 1 quart moins 1 tiers, moins 1 douzième, fois 2, moins 1 sixième. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour le premier, n'hésitez pas à me dire. Je peux faire l'étape intermédiaire. Oui, Déborah? Moi, j'ai x égale 6. OK. Donc,
L'étape intermédiaire, c'était la suivante. X 1/2 égale 1 quart moins 1 tiers. Mais 1 quart moins 1 tiers, ce n'est rien. Donc ça, c'est 3 douzièmes moins 4 douzièmes. Si tu mets sur 12, donc ça fait bien moins 1 douzième. Le tout fois 2 pour avoir le x. Ça va ? Voilà, c'est l'entraînement, ceux qui... J'entends des soupirs, je suppose qu'il y a eu des petites fautes de distraction. Ouais, ça, si vous vous réentraînez, c'est le genre de choses qui doit revenir, mais il ne faut pas laisser... Moins 1 douzième, c'est pas bon. Pardon ? Moins 1 douzième, c'est pas bon. La première réponse, c'est moins 1 sixième. Ah non, non, mais moins 1 douzième, ce n'est pas la réponse finale. C'est x demi qui est égal à moins 1 douzième. Ah, ok, ok. Ça va ? Petit stress d'Alec. Ouais. Ça va, les autres ? Bon, petit B. Alors là, il y a du 3x d'un côté et du 10x de l'autre. Donc on va mettre tout ce qui est x d'un côté. Donc ça, ça va être votre membre de gauche. Hein. 5 fois 2x, ça fait 10x. Il est à droite, je le rapatrie vers la gauche, donc moins 10x. Et puis vous allez avoir de l'autre côté du 10 moins 10. 10 moins 10. Donc au final, vous avez l'équation équivalente qui est 7x égale 0. Donc x égale 0. Il y a une solution, c'est x égale 0. Parfois, il y a ce raccourci de dire « Ah, alors il n'y a pas de solution. » Mais si, hein, il y en a bien une, c'est quand x vaut 0 que l'équation est satisfaite. Oui, Déborah. Moi, j'ai tout fait passer du côté gauche. Oui. Je me retrouve avec 3x plus 10 moins 10, moins 10x. Et donc, moi, j'ai moins 7x. Et puis, j'ai mis moins 1 septième parce que... Si tu mets tout à gauche, tu as moins 7x et tu n'as plus rien à droite, égale 0. Donc, tu as la même réponse. Ça va ? D'autres ? Ça va pour le B ? Normalement, bon. À part des petites fautes et de distractions que je peux entendre, mais qui va vous demander du coup de vous entraîner pour que ça n'arrive plus, je suppose qu'il n'y a pas de questions fondamentales. Alors, le C, racine de 2 fois 5 fois x, on va de nouveau mettre tout ce qui concerne le x à gauche, plus 2x. Égale 3. Alors là, parfois, il y a un blocage en disant zut, mais je ne sais pas les mettre ensemble. Mais si, on sait mettre x en évidence. Si vous mettez le x en évidence, vous allez avoir racine de 2 fois 5 plus 2, le tout fois x. Rien ne vous empêche de le faire. Évidemment, le coefficient n'est pas un coefficient, sauf si vous remplacez racine de 2 par 1,4142, vous faites fois 5 plus 2, vous avez alors une valeur. Mais autant garder le racine de 2. Et au final, vous avez que x est 3 divisé par, je vais mettre le 5 devant, c'est un peu plus propre, 5 fois racine de 2 plus 2. Voilà pour le C. De toute façon, une équation du premier degré, il y a dans tous les cas, enfin, pardon, en général, il y a une solution unique. Oui. Moi, j'ai moins 3 plus racine de 2 sur moins 7. C'est pas la même chose. Tu as fait une petite erreur quelque part. Qu'est-ce que tu as fait différemment ? Tu sais dire ? Et j'ai fait cette racine de 2 fois 5x égale 3 moins 2x. Oui. Puis j'ai fait moins 3 plus racine de 2 égale moins 7x. Pourquoi moins 7x ? Mais il y a racine de 2. C'est comme c'est si... Ouais. La racine de 2, c'est comme s'il était parti, là. Ouais, en fait, j'ai laissé à gauche. Tu l'as écrit à gauche, de plus en plus à gauche, et puis il est parti, quoi. Hop. Non, dans la marge. À gauche, alors que le 5, ah oui, oui, d'accord, tu l'as détaché du x. Oui, oui, ok. Il peut faire ça, en fait. Non, 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 il multiplie, donc il ne peut pas partir du... Alors, le D. Le D, c'est le même principe. Le D, il y a du 5x et du racine de 3x. Donc, si vous mettez ça ensemble, il y a du 5x moins racine de 3x égale 5 moins 3. Ce
ce qui fait quand vous mettez en évidence que vous avez 5 moins racine 3 fois x qui est égal à 2, x qui est égal à 2 sur 5 moins racine de 3. Justement, E. 2x plus 4 égale. Alors là, il y a un petit paramètre qu'il va falloir traiter. Donc vous avez 2x moins ax qui est égal à 8 moins 4. Donc j'ai mis de nouveau tout ce qui concerne x à gauche et dans le membre de droite, les termes qui sont indépendants de x. Ce qui fait que vous avez 2 moins a fois x, je mets le x en évidence, vous avez 4, ce qui fait que vous avez x qui est égal à 4 divisé par 2 moins a. Ça, c'est valable pour toutes les valeurs de a, sauf quand a vaut combien ? 2. Donc x est égal à ça si a est différent de 2. Si a égale 2, alors l'équation devient 0 fois x égale 4, autrement dit 0 égale 4, autrement dit impossible, c'est jamais vrai, et donc l'ensemble des solutions S est l'ensemble vide. Il n'y a aucune valeur qui peut satisfaire l'équation si votre paramètre a est égal à 2. Vous avez bien la réponse ici, une solution si a est différent de 2. Mais si a égale 2, alors l'ensemble des solutions est le vide. Donc une fois qu'il y a des paramètres, il y a éventuellement ici des cas à discuter, des cas particuliers à discuter. Pour le f, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, Théo, vas-y. Du coup, j'ai multiplié par x moins 2 de côté. Oui, donc tu as 3 fois 3 égale 2 fois x moins 2. Voilà, une fois que tu as fait ça, ouais, je pense que la suite vient facilement. Ça veut dire que tu vas avoir du 2x, on va le faire une fois à droite, hein. Tu peux laisser 2x à droite, et tu vas avoir 3 plus 4 ici. Et donc, au final, x qui est égal à 7 demi. Théo, tu vois bien ça, 7 demi. Alors, réaction. Je suppose que c'est bon. Il arrive, bon, si jamais ça arrivait, mais je pense que, bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu ta feuille, mais que vous avez un développement complètement faux et une bonne réponse, ça ne vaut aucun point, ça. Parce que la bonne réponse, c'est du loto. Vous êtes tombé dessus par hasard. Donc, bon. Je vous préviens juste, mais c'est assez rare, mais ça peut... Alors le G, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Alors le G, c'est un peu plus long, mais sinon... Si on regarde tout ce qui est en X, vous avez du 2X plus X, ça fait 3X. Dans le membre de gauche, on a 3 fois X. Dans le membre de droite, vous avez 3X plus 6X, vous avez 9 fois X. Si on met le 9X du membre de droite à gauche, ça fait moins 9X. Ça fait moins 6x quand on ramène tout ce qui concerne les x sur votre gauche. Pour le reste, on a 2 fois 5, ça fait 10. Plus 4, ça fait 14. On va devoir amener de l'autre côté, donc moins 14. Et dans le membre de droite, j'ai 3 fois 2, 6. Donc j'ai 6. Donc, vous avez moins 6x qui est égal à moins 8. Donc j'ai x qui est égal à moins 8 sixièmes. J'ai x qui est égal à moins 4 tiers. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ça ? Je fais une faute. Oui, 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 tout à fait. Merci. Voilà. Est-ce que d'autres ont 4 tiers ? Oui. Oui ? Ok.
Le h, on pourrait dire, tiens, ce n'est pas du premier degré, mais en fait, les x carrés vont simplifier. Comment on peut le voir? Bon, moi, de toute façon, je distribuerai tout, et alors ça va simplifier. Donc, le h, vous allez avoir du x carré moins 6x plus 9, et ici, vous allez avoir du x carré moins 4. Les x carrés qui sont là se simplifient, et puis ça devient une équation du premier degré classique. C'est pas plus 4. Ah, je crois que c'est x plus 2 fois x moins 2. Alors, c'est pas du tout 4, c'est plus 4, et alors il y a aussi plus 2, plus 4x. Hein. C'est x plus 2 au carré, ok. Merci. Est-ce que quelqu'un a fait différemment? Non, ça va. Alors après, pour la suite, on a moins 6x, moins 4x, ça fait moins 10x, qui est égal à 4, moins 9, ça fait moins 5, et donc votre x est égal à 1/2. Ça, moins 10x, 4 moins 9, ça fait moins 5. Ouais. Alors, le i, il n'y a plus que 2. Le i, comment vous avez fait? Ou comment, si vous n'êtes pas encore arrivé au i, comment vous feriez pour résoudre celui-là? Oui, vas-y. Alors, je vais l'écrire de manière explicite. X cube sur x carré égale 49 x carré sur x carré. Donc, tu divises à gauche et à droite par la même chose. On peut le faire, mais attention quand on fait ça. Alexandre ? Non, on ne peut pas plutôt mettre le x carré de l'autre côté et ça va faire diviser x cube par x carré, non ? Donc tu veux... Ah oui, donc toi, tu proposes ceci. Oui. Et après, ça va se... Ça revient au même. Ça revient au même. Ouais, mais... c'est passé l'étape en... La seule chose, c'est que donc, ceci est égal à 1. Ouais. Ok. Du coup, c'est bon ce qu'ils ont dit ou pas? Ah, est-ce qu'on... Alors, on va aller jusqu'au bout, hein, parce que j'ai quand même dit qu'il fallait être vigilant à quelque... Donc, x égale 49, et donc, la conclusion qui est incomplète, donc fausse, serait de dire que tous les x qui permettent de satisfaire l'équation se résument en une seule valeur possible, qui serait 49. Plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Attends, excuse-moi, Déborah. Vous avez dit plusieurs réponses. Non, j'ai dit que toutes les solutions... Ah oui, c'est ça, donc on va chercher le moins. Toutes les solutions... possible se résume en une possibilité, d'après ce qu'on a fait ici, qui serait x égale 49. Mais effectivement, il y en a d'autres, hein, vous comprenez bien, puisque c'est incomplet, c'est qu'il n'y a pas tout. Oui. Quand on fait passer un carré de l'autre côté, ça ne devient pas une racine? Non, c'est pas ça, quand on fait passer un carré... Alors, ici, on n'a pas appliqué un opérateur, on a simplement divisé par x carré, on n'a pas appliqué la racine carrée à gauche et à droite, ou le carré à gauche et à droite, c'est pas ça qu'on a fait. Comment ça se fait qu'on a perdu la solution x égale 0? Si vous regardez dans votre équation, si je remplace par 0, j'ai 0 au cube égale 49 fois 0 au carré. On a perdu celle-là. Parce que vous avez divisé par x carré. Quand vous divisez par x carré, en fait, vous pouvez le faire uniquement si x est différent de 0. Donc, vous trouvez une réponse en supprimant la possibilité que x soit nul. Or, il se fait que quand x égale 0, ça fonctionne aussi. Alors, je vais vous montrer une autre manière de faire. Ceci est incomplet. Bon. C'est plutôt de tout mettre d'un côté, de mettre en évidence ensuite le x carré, comme ceci. Et de cette manière-là, on voit que pour satisfaire l'équation, il faut que un des facteurs soit nul. Et donc, en fait, on découple le problème. Donc, on avait au départ une équation. Pour qu'elle soit satisfaite, il y a deux possibilités.
soit x égale 49, première possibilité, dans ce cas-là, vous allez avoir 0 fois quelque chose, soit, deuxième possibilité, pour que x carré soit nul, simplement, soit x égale 0. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est 49 ou 0, ça peut s'écrire grand S égale accolade, premier élément 0, point virgule, deuxième élément 49, fermez l'accolade. Voilà, je ne vais pas faire le J ni le K, je préfère faire ça demain, parce que c'est un peu plus long et il reste peu de temps. Et donc éventuellement prendre une dernière question sur ce qui a été fait aujourd'hui. Oui, Alexandre. Alors là, c'est le premier développement. Elle est où la faute ? Alors, quand tu divises ici, il y a une condition d'existence à cette écriture. Condition d'existence ici, il faut que x soit différent de 0. Sinon, ceci ne peut pas être écrit. Et donc, vous êtes en train de raisonner ici, donc sur une équation, donc on cherche des x qui vont satisfaire l'équation de départ, on dit que c'est équivalent à ça, mais ce n'est pas équivalent. En fait, quand vous faites ça, on a une équation maintenant qui n'existe plus quand x égale 0. Donc on est en train de raisonner sur une équation qui n'existe plus quand x égale 0. Donc il faut se poser la question, oui, mais si x était égal à 0, est-ce qu'il n'y a pas un raisonnement alors qu'on doit faire, mais alors vous devez reprendre au tout départ votre équation. Bon, ça c'est typiquement le genre de raisonnement que vous voyez parfois en disant tiens 0 égale 1 et on fait ce genre de choses. Hein. C'est une erreur assez typique qu'on utilise parfois pour des petits problèmes de maths. C'est qui a parlé ? Théo, oui ? Mais c'est par exemple, quand on fait un premier mouvement, on dit par x carré, c'est apparemment de la voir personne, on voit que 0 est une solution. Et qu'on retient. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est un moyen, donc comme Théo l'explique. Soit, dès le départ, vous dites 0 est solution, ça se voit tout de suite. Maintenant, si on s'intéresse aux autres solutions de 0, c'est-à-dire qu'on suppose que x n'est pas nul, alors on peut appliquer ça et on trouve aussi 49. Ça marche. Oui ? Oui, mais vous devez bien expliquer votre démarche. Mais c'est bon. Ça va ? Voilà, ça finalise en tout cas ce qu'on a fait à distance.